question. Voilà. Qui a déjà créé son entreprise? Levez la main. Ouais, pas mal. Et qui pense créer sa boîte? Ouais, pas mal, au 50-50. Bon, voilà. Eh bien, ça permet de voir un petit peu qui vous êtes. Et pour nos intervenants, j'ai 25 années de salon des entrepreneurs dans les pattes. Et je peux vous dire que vous avez, pas à Marseille, parce qu'à Marseille, c'était que depuis 4 années, vous avez un plateau d'exception, mais vraiment d'exception. Je ne dis pas que c'est le plus beau en 25 années, mais il est très, très beau, ce plateau et ses intervenants, parce que vous avez des entrepreneurs, des belles réussites, mais très variées, très différentes. Des petits, des moyens, des grands, dans des univers totalement différents. Donc, je pense que vous allez vous régaler avec ces témoignages. Ils sont là pour ça. Ça va être Arnaud Legal, rédacteur en chef aux Échos, qui va officier, avec notre partenaire commissaire aux comptes aussi sur ce débat. Et juste un mot en 30 secondes sur un point. C'est une discussion que j'avais avec Philippe Véran. Il est aux côtés, à droite de Caporal d'ailleurs. Une belle marque. Philippe Véran, on a discuté il y a un quart d'heure. C'est assez incroyable parce qu'il était expert comptable avant d'avoir sa boîte biotech. Mon beau-père était expert comptable, moi j'ai été entrepreneur, on a un commissaire aux comptes ici. Et on parlait de quelque chose tout à l'heure, pour celles et ceux qui ont fait ou qui vont faire des levées de fonds. Alerte, 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 ne mélangez pas chiffre d'affaires et levée de fonds. Hein, c'est que c'est la grande mode en ce moment-là. Il faut faire des levées de fonds pour financer, et Philippe pourra en parler d'autres, du développement, de l'innovation, de la R&D. Mais on voit énormément de start-up et d'entreprises arriver en disant « je vais lever des fonds, ça devient une obsession ». Et on oublie juste parfois que quand on a une entreprise, il faut avoir un produit, un service, le vendre, facturer et faire des bénéfices. Donc voilà, c'est juste le petit point, mais je pense que vous pourrez en parler avec Philippe et aussi pendant ce débat. Bon, bon courage, bon salon, merci à vous tous. J'espère que le salon a été à la hauteur de vos attentes. Là, un petit coup de chapeau, on peut les applaudir parce qu'il y en a dans la salle. C'est toutes les équipes, hein, qui ont bossé depuis 8 mois, hein, que ce soit les partenaires, les équipes du salon, des Échos, etc. Parce que je crois qu'ils ont fait quelque chose de pas mal cette année pour vous. Voilà. Bonne conférence, Arnaud, c'est à toi. Merci beaucoup, cher Xavier. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints si nombreux pour cette séance, effectivement, qui s'annonce riche avec les témoignages de nos amis entrepreneurs. Grâce au petit test, au sondage en direct de Xavier, on a bien compris que vous aviez toutes et tous envie non seulement de créer, mais de faire grandir vos entreprises. Et vous demandez peut-être justement comment on fait pour les développer. Ben, vous avez là une belle brochette d'entrepreneurs qui ont accepté de partager leur expérience en la matière avec vous. Vous avez des start-upers, des scale-upers, des gens qui sont devenus des dirigeants d'OTI. Vous avez des fondateurs, vous avez des repreneurs d'entreprises. Et donc une palette d'expériences qui, j'espère, va pouvoir résonner avec vos projets à toutes et tous. Mais avant, on s'est dit qu'il était intéressant de mettre tout cela en perspective, peut-être, et de voir ce qu'il en est de l'état des lieux de l'entrepreneuriat dans votre région. Et c'est l'exercice auquel on va se livrer avec Laurent Verveloute, qui représente la Chambre régionale des commissaires aux comptes. Donc vous jouez un rôle éminent dans cette communauté là, des professionnels de l'accompagnement des entreprises. Qu'est-ce qu'il en est de l'entrepreneuriat dans cette belle région? Comment est-ce que ça se porte? Est-ce qu'il y a des secteurs où c'est plus actif que d'autres? Mais d'abord, voilà, est-ce que la tendance est aussi forte que ce que l'on observe dans les statistiques nationales où ça ne cesse de progresser? Merci pour cette belle question. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes remercie les Échos hein, de donner un plateau de quelques minutes sur ce métier des commissaires aux comptes qui a un lien direct avec vous dans le public parce que c'est... une personne qui a un rôle tout au long de la vie de l'entreprise. Et on a été assez malmenés ces derniers mois par l'Assemblée nationale parce que notre métier a été réduit de 70% en termes d'activité. Donc vous allez parler de croissance au niveau de vos entreprises. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que nous, les commissaires aux comptes, comme on a une activité qui est donnée par la loi qui a été votée, qui va être mise en application bientôt, fait passer le nombre de mandats où on intervient de 210 000 à 70 000 mandats, c'est-à-dire qu'il y a 70% de chiffre d'affaires dans nos métiers qui disparaît dans les années à venir. Néanmoins, est-ce que on doit dire que c'est un mal? Moi, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. Pendant longtemps, les commissaires aux comptes, à mon avis, ne se sont pas rénovés dans l'approche qu'ils pouvaient avoir par rapport à leurs clients. Et les sondages qui ont été faits au niveau des chefs d'entreprise, c'est de dire, mon commissaire aux comptes, on le voit une fois par an,
Il vient, on mange, on va au petit Nice Paseda, et il me remet sa note d'honoraire. Ça, c'est quand l'entreprise a grandi. Hein, avec. Non, je parle à certains qui sont sur ma gauche. Ou sinon, on va manger au Subway d'à côté de Chano. Au Burger King du coin. Et il me remet son rapport du commissaire aux comptes, sa note d'honoraire, et il me dit à l'année prochaine, et tout le monde est content. Et de ce constat, le gouvernement a dit on va voir pour alléger les frais dans les entreprises, et ils ont retiré les commissaires aux comptes pour les entreprises qui feront moins de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'avant c'était moins de 2 millions d'euros. Tout ça pour dire qu'en France, on a un panel d'entreprises de 1 million à 3 millions, plus important que sur les autres pays européens. Et l'application des 8 millions d'euros de seuil de chiffre d'affaires, c'est rien, mais ça fait passer de 210 000 mandats à 70 000, parce qu'on est, contrairement à l'Allemagne, un pays avec beaucoup de petites entreprises. Et c'est le cas dans votre région également ? Alors, on retrouve cette proportion ? Dans notre région, effectivement, on est dans la très petite entreprise, on appelle ça la petite entreprise, la petite moyenne entreprise, la PME, et avant d'arriver à l'ETI, on est sur les entreprises qui sont sur ma gauche, qui sont souvent des entreprises de taille significative pour la région. Mais localement, on s'aperçoit qu'on a un tissu économique très diversifié. Par rapport à mon job de commissaire aux comptes et d'expert comptable, moi je suis aussi juge au tribunal de commerce et je préside depuis 10 ans une chambre, on appelait ça avant les faillites, c'est-à-dire la chambre des procédures collectives, qui s'est progressivement transformée en chambre d'aide aux entreprises, puisque le tribunal de commerce n'est pas là pour les mettre en faillite, elle est là pour les aider. Au passage, un message, quand vous êtes en difficulté, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous tourner justement vers des structures comme celle-ci. Ça peut vous arriver. Et en effet, il y a en fait une virtuosité, heureusement, entre l'entreprise, le tribunal de commerce, le commissaire aux comptes, son expert comptable, son avocat, où aujourd'hui, chacun a un rôle dans le chemin pour aider l'entreprise à éviter de faire des erreurs, à éviter de se faire avoir, et quand elle va mal, à se faire aider pour le temps où elle va mal. Alors, Laurent Verveloute, vous le rappeliez, on est dans une région où il y a une prédominance, comme dans d'autres régions du reste des petites entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on a peut-être un peu plus de mal qu'ailleurs, non plus à créer son entreprise, mais à la faire grandir ? Qu'est-ce qui manque ? Alors, ce que je dis n'engage que moi. Mais c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Vous pouvez, aujourd'hui, pour conduire une voiture, il vous faut un permis. Pour conduire même un scooter 50 cm3, il vous faut une petite accréditation. Pour créer une entreprise, il vous faut 1 euro. Et aucun droit, aucune formation en amont ne vous est nécessaire et n'est obligatoire. Alors, c'est le problème, à mon avis, de démarrage, c'est-à-dire qu'on a un manque de formation des dirigeants sur ce qu'ils vont vivre à partir du moment où ils auront leur première carte d'identité de chef d'entreprise, qu'on appelle le CABIS. Et le deuxième, à mon avis, vecteur de difficulté, c'est un mot qui reviendra souvent dans le discours des chefs d'entreprise, les fonds propres. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont, entre guillemets, sous-capitalisées, c'est-à-dire qu'elles ne mettent pas assez au pot pour démarrer. C'est comme si vous vouliez faire un Marseille-Paris en espérant, avec un demi-plein, avoir quelqu'un qui, en plein milieu du chemin, vous dise « Je vous offre la deuxième moitié du plein, quitte à ce que tu me rembourses dans quelques années. » Seulement, si, à la moitié du chemin, vous ne trouvez personne pour vous aider, votre projet va s'arrêter. Et d'ici là, vous aurez engagé un certain nombre de dépenses. Alors, on évoque souvent, on ne manque jamais l'occasion dans nos salons des entrepreneurs de rappeler l'importance de l'accompagnement. Les statistiques sont là, une entreprise qui se fait accompagner a plus de chances d'être en bonne santé à échéance de 3 à 5 ans et peut-être de mieux performer d'ailleurs que ses homologues. Comment est-ce qu'il a évolué et comment est-ce que peut-être il est en train d'évoluer ce paysage de l'accompagnement dans lequel vous jouez un rôle pivot dans cette région ? Est-ce qu'on peut... Oui, il y a quelques années, je suis suffisamment vieux pour avoir commencé à écrire sur l'entrepreneuriat. À l'époque, on pouvait tartiner des pages et des pages sur la solitude du chef d'entreprise. Je pense qu'en phase de création, les choses ont beaucoup changé. Quel est votre diagnostic, cher monsieur ? Alors, le diagnostic, c'est que, en tout cas, moi, je ne connais pas la région, mais je connais bien la ville de Marseille. Je donne un exemple. On a dans la salle, je l'ai vu, un ancien directeur de la Cité des Métiers qui est en face de moi, que j'ai croisé. Vous avez un nombre...
incroyable de structures qui vous aident de manière gratuite ou à des prix défiant toute concurrence dans l'accompagnement. Ça, c'est du service. Après, vous avez un nombre aussi un nombre important de structures sous forme associative ou qui sont adossées à des collectivités qui vous prêteront de l'argent à des taux aussi quasiment de zéro à quelques chouïas. Donc, lancer une boîte, aujourd'hui, en fait, c'est facile. Le constat, c'est que aussi pour bien vivre, à mon avis, dans une ville comme Marseille, c'est plus facile de créer sa boîte que d'essayer d'avoir un job de salarié où vous allez grandir, parce que les portes de l'échelle sociale en tant que salarié sont plus difficiles à obtenir que si vous créez une entreprise. Et dernier point sur le marché de l'emploi, moi par exemple je vois, j'ai peut-être 5 recrutements à faire en ce moment, ou 6, on n'arrive pas à trouver des salariés aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on a, à mon avis, des problèmes aujourd'hui, et vous allez les vivre en tant que chef d'entreprise, ou les vivez déjà en tant que chef d'entreprise. Souvent, le problème, ça n'est pas de trouver du business, c'est plutôt de le produire et de bien le produire. Merci beaucoup pour cette analyse et pour nous avoir fait partager votre expertise, Laurent Verbloot. Un dernier mot peut-être, dans l'évolution de ce paysage, vous évoquiez les changements qui touchent votre profession, au niveau en particulier de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Comment vous voyez l'évolution de votre métier pour contribuer justement à l'optimisation de ce paysage de l'accompagnement, au-delà de cette problématique des mandats que vous rappeliez tout à l'heure? Très, très optimiste, en tout cas pour parler de notre métier des commissaires aux comptes. Ceux qui sont remis en cause, ce qui a été notre cas, si nous arrivons à recréer du lien entre l'entreprise et les parties prenantes, alors c'est quoi une partie prenante dans mon esprit? Ce sont les associés des entreprises, les banques et les fournisseurs. Aujourd'hui, un commissaire aux comptes, quand il vous met un cachet pour dire que tout va bien, ça veut dire qu'il a fait le job pour dire que tout va bien. Et je pense que dans le temps, on va revenir sur des demandes des commissaires aux comptes de certifier, non pas forcément l'intégralité des comptes, mais des pans de l'entreprise, pour donner une garantie, comme une assurance, qui va vous dire, là, c'est OK, vous pouvez y aller. Oui, pour générer une chose qui est l'un des principaux carburants de la croissance, c'est la confiance. Merci beaucoup, Laurent, encore une fois, pour nous avoir fait partager votre point de vue. Vous pouvez applaudir notre partenaire. Et on va tout de suite se tourner vers nos amis entrepreneurs pour commencer donc à partager leur expérience, leur vécu d'entrepreneur, leur success story, leur galère story aussi. On est là pour parler de la vraie vie. D'abord, on va se tourner vers vous pour essayer de voir quel a été votre parcours au départ. Vivre de leur passion pour la cuisine. On a annoncé ça lors d'un événement et à partir de là, plusieurs personnes sont venues nous voir en disant j'ai un événement, est-ce que ça vous intéresse d'être traiteur? On a dit OK. Ensuite, une autre personne est venue nous voir en nous disant j'aimerais apprendre à cuisiner les plats des mamas. On a dit OK, on l'a fait. À un autre moment, on nous a dit ce que vous faites, c'est génial, est-ce que vous faites aussi du chef à domicile? On a dit OK. On a dit OK à un tas de choses. Pourquoi? Pour
tester le marché, pour tester le business, qu'est-ce qui allait fonctionner, qu'est-ce qui allait pas fonctionner, jusqu'à ce qu'on soit focus aujourd'hui sur un business très particulier. Donc aujourd'hui, on a créé Meet My Mama, qui est la première plateforme traiteur qui propose aux entreprises donc des voyages culinaires qui sont faits maison et faits avec amour par ses mamas. Et les mamas, vous les avez recrutées comment? Comment est-ce qu'on recrute suffisamment de mamas pour faire la cuisine, pour une activité de traiteur en entreprise? Alors, c'est notre métier, c'est vraiment ça. Donc, on est un peu, pour faire le parallèle, comme Uber. Donc, d'un côté, vous avez tout un réseau de mamas. Aujourd'hui, on a une centaine de mamas. Et de l'autre côté, vous avez tout un réseau d'entreprises clientes. Et la particularité chez nous, c'est qu'on n'a pas du tout eu du mal à trouver nos mamas. Donc, on s'est appuyé sur des associations ou sur le bouche à oreille. En fait, les mamas en parlent entre elles, entre copines, etc. Et on n'a pas eu de mal non plus à trouver de clients. Donc, c'est un peu la particularité. La plateforme a hyper bien fonctionné dès le début, puisqu'il y avait la demande des deux côtés. Alors on va voir qu'il est possible de lancer comme ça des start-up et d'avoir des histoires qui, dès le départ, ressemblent à des success stories dans des secteurs extrêmement diversifiés. On va d'ailleurs enchaîner avec vous, mon cher Guéric. Vous commencez à être une vieille connaissance pour nous, puisque vous étiez déjà à ce salon l'an passé. Vous êtes le cofondateur de Woog. Faites-nous également le pitch. Qu'est-ce que c'est que Woog? Comment est-ce que cette idée vous est venue comme ça? À quel stade du parcours en êtes-vous aujourd'hui? Alors, effectivement, merci de me réinviter. Je vous parlerai de la suite. Du coup, on est content de vous retrouver, mon cher. Donc, Woog, c'est une plateforme de gestion des remplacements basée sur le volontariat des salariés dans les hôpitaux et les cliniques. L'année dernière, on équipait 10% des CHU de France. Aujourd'hui, on équipe 40% des CHU de France. On était 9, aujourd'hui on est 25. Et je rebondis sur ce que disait notre ami l'expert comptable, c'est-à-dire qu'il faut faire du business et on a réussi à atteindre l'équilibre financier l'année dernière. Donc aujourd'hui, on a 10 postes ouverts. Comment l'idée vous est venue, Guéric, au départ? Alors, positionnement très spécifique. Vous évoquez les problématiques de RH, de remplacement dans le monde hospitalier. On sait tous que c'est un problème de plus en plus présent, de plus en plus lourd pour eux. Mais comment est-ce qu'on arrive, tout jeune, comme ça, entrepreneur, en disant « c'est nous qui allons vous apporter la solution ». Alors, par opportunité, on avait une problématique dans la société dans laquelle je travaillais, donc rien à voir avec le secteur hospitalier. Vous étiez dans quoi ? J'étais dans l'énergie et on avait des problématiques pour faire intervenir rapidement des techniciens sur des éoliennes et des centrales thermiques. On s'est posé la question de savoir comment les experts de la gestion de crise, les pompiers, les policiers intervenaient sur des problématiques de crise. Et sur ça, on a développé une technologie, mais une vraie technolo. On a mis un certain temps à la développer. Et après, on a été en relation avec le CHU de Montpellier. Et c'est via l'intermédiaire du CHU de Montpellier qu'on s'est dit ben, en fait, il y a un énorme marché qu'on n'avait pas identifié, qui est la gestion des remplacements dans les hôpitaux. Donc aujourd'hui, on remplace, on se substitue aux agences d'intérim. Qu'est-ce que vous leur avez apporté qui n'existait pas? C'est justement la plateforme technologique qui permet une rapidité de la réponse. Qu'est-ce que vous avez, quelles solutions avez-vous réussi à développer dont le marché avait cruellement besoin sans forcément savoir que c'était ça la solution? Alors déjà, il y avait des barrières psychologiques. C'est-à-dire que nous, ne venant pas de ce marché-là, ni de ce secteur-là, on ne s'est pas dit, c'est une phrase un peu bateau, mais que ce n'était pas impossible. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on allait voir des DRH ou des directeurs d'établissement, ils nous disaient au départ, votre truc, ça ne va pas marcher. Il a fallu casser en réalité des concepts sociaux en se disant ben, finalement on va proposer aux salariés qui sont aujourd'hui en burn-out, qui sont en train de manifester dans les rues parce qu'ils travaillent trop, ben, une plateforme pour travailler encore plus. Et en fait, ça a très bien marché parce qu'on a un volume de salariés qui sont inscrits au sein de notre plateforme qui sont immenses. Et derrière, la technologie était essentielle. C'est-à-dire qu'au départ, le CHU de Montpellier utilisait une technologie ancienne d'Orange. C'est Orange qui nous a mis en relation avec eux, on est partenaire Orange. Et c'est la technologie qui a permis de résoudre la solution, parce qu'on identifie les bonnes personnes au bon moment, au moment d'un remplacement. Alors on parle de technologie, hein, l'innovation technologique, c'est vrai que ça peut être un élément important pour lancer, développer, faire décoller une entreprise. On va voir que vous êtes plusieurs à avoir choisi ce ressort à cette tribune, mais dans des domaines divers. Vincent Fert, racontez-nous l'histoire d'Aliodix, comment est-ce que vous vous êtes lancé, vous, dans l'entrepreneuriat, et puis racontez-nous également l'innovation technologique qui est quand même au cœur de votre projet.
On est là dans le domaine de la biotech, pour faire très court. Pour absolument. Aliodéix est un spécialiste du diagnostic des cancers. Hein. On intervient quand la maladie est diagnostiquée et on fournit au médecin les outils, les informations dont il a besoin pour prendre les bonnes décisions de traitement. Parlez bien près du micro, Vincent, s'il vous plaît. Pour prendre les bonnes décisions de traitement, pardon. Donc c'est une société, on est basé à Lumini, 140 personnes, etc. Donc sur la question plus précise de comment j'en suis venu à être un entrepreneur, je faisais la sieste et tout à coup je me suis réveillé. Non, c'est pas ça. Vous aviez pris une pomme sur la tête comme ça arrive à certains. En fait, j'étais chercheur. Je faisais une thèse au centre d'immunologie à Marseille-Lumini. Et j'étais vraiment passionné par ce que je faisais. Et en rencontrant des gens, j'ai compris qu'on pouvait traduire les recherches les plus fondamentales en produits concrets qui peuvent servir tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui m'a conduit à devenir, enfin, qui a été un déclencheur et qui me conduit toujours aujourd'hui pour mener mon entreprise tous les jours. Voilà. Vous vous êtes lancé dans l'aventure seul, avec une équipe. Comment est-ce que dans une activité aussi pointue, comment est-ce qu'on trouve ses premiers clients? Comment est-ce qu'on vainc aussi les inévitables réticences qu'il peut y avoir autour d'une technologie qui correspond à une rupture tout de même? Alors, ce qu'on fait, c'est éminemment compliqué. C'est très capitalistique. On a besoin de beaucoup d'argent. Dans ma première société, on a levé 30 millions d'euros et on s'est fait racheter par un groupe allemand. Dans la deuxième, cette même société que j'ai rachetée, on a aujourd'hui, au bout de 3 ans, on a déjà levé 30 millions d'euros. Je pense que dans les 10 ans qui viennent, on va probablement en lever 100 fois plus. Ça dépend. Mais c'est vrai. Et donc, de ce fait-là, vous comprenez que c'est un travail d'équipe, bien entendu. Hein, on a besoin d'énormément de fonctions transversales et on ne peut pas réussir si on est seul dans son coin, bien entendu. Et Aliodéix aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus qu'une start-up, bien évidemment, vous l'évoquiez tout à l'heure. C'est une scale-up, c'est sur le point d'être une ETI. Qu'est-ce que, oui, dans cette gradation-là du développement entrepreneurial, vous en êtes où? Ce serait peut-être une scale-up. On est en phase commerciale, on monte notre filiale aux États-Unis qui sera opérationnelle à la fin de l'année. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet et on est 140 personnes, donc je pense, avec déjà des revenus, donc je pense qu'on correspond à la scale. On reviendra vers vous tout à l'heure, justement, quand on abordera la manière dont on peut faire grandir une entreprise. Il y a un autre profil de scale-up, vous savez, c'est au-delà de la start-up, quoi. Ce sont des entreprises qui ont commencé à grandir et puis avec également de l'innovation technologique dedans, mais dans un autre domaine, vous allez le voir, c'est SP3H. On a Alain Lunati qui est son fondateur. Alain, même type d'exercice, mais donc dans un univers différent. Quelle mouche vous a piqué? Comment vous êtes lancé, mon cher? Bon, c'était pas au réveil, c'était pas en me rasant le matin non plus. C'était un constat sur la base d'une compétence technologique. On travaille dans le milieu de l'industrie du raffinage et de la pétrochimie. Oui, vous avez un track record dans l'ingénierie, hein, en particulier, oui, qui est fort. On parcourait la planète et on aidait les raffineurs à installer des systèmes qui leur permettaient d'améliorer la production et la qualité des carburants qui sont produits à 1 million de litres à l'heure. Donc, en fait, il faut être capable de produire avec le minimum d'énergie et d'avoir un produit bon du premier coup. Et les systèmes qu'on utilisait pour faire ça, c'était des systèmes, donc c'est des instruments sur lesquels j'ai fait des thèses, une thèse chez BP, ça s'appelle des analyseurs infrarouges, et en fait, c'est des scanners, vous analysez en temps réel la composition des produits. Les systèmes, c'est peser 200 kg, mesurer 2 mètres de haut et coûter 150 000 euros. Et donc, l'idée, c'était de se dire que s'il était possible de miniaturiser la technologie, sachant qu'en fait, il y a une très forte variabilité dans la composition des carburants, on pouvait peut-être installer ça à bord des voitures et améliorer en fait l'information relative à la qualité du carburant. Alors aujourd'hui, on parle de big data, on y est en plein dedans, et permettre en fait un meilleur réglage des moteurs en temps réel à partir de cette information. Donc c'est parti d'un constat d'un manque, en fait, est-ce qu'on peut miniaturiser ces technologies? De compétences abouties dans ce domaine, puisqu'on était expert du domaine pétrolier, donc ça a aidé dans les levées de fonds et à convaincre les premiers tours de table. Et puis également avec quelques notions de penser que ça pourrait être réalisé dans un,
dans un intervalle de temps raisonnable. Alors justement, vous parlez de l'intervalle de temps. C'est intéressant, je pense, quand on est sur des activités comme ça, où il y a une dimension d'innovation technologique forte, de parler des délais qui sont nécessaires, Alain. C'est une aventure dans laquelle vous vous êtes lancé il y a combien de temps, et combien de temps s'est écoulé avant ce chapitre, hors antenne, avant qu'on arrive sur cette estrade. Vous me disiez, on a une technologie là qui arrive. Ça vous a pris combien de temps, cette première phase? Moi, j'avais vendu à mon épouse 5 ans. Et on est plutôt sur 12 ans. Donc, effectivement, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Il y a des explications. Mais en même temps, c'est un message positif. Vous voyez qu'il est quand même possible de se lancer dans une aventure et de trouver dans l'écosystème de quoi avoir mené une phase de développement aussi longue que celle-ci. Oui, survécu à une crise majeure automobile mondiale. Et aujourd'hui, en fait, un des aspects très intéressants de la technologie, si je prends l'exemple de ces deux bouteilles d'eau, donc David et la mienne, c'est que si vous voulez savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mis à part prélever un échantillon et l'amener dans un laboratoire, faire une analyse, délocaliser et revenir, entre-temps, si j'ai mis du cyanure, ben, mon ami David, il va mourir dans d'autres souffrances. Donc l'intérêt, c'est d'aller amener ce qu'on ne lui souhaite pas, on tient tout au trop à notre David national. On n'est pas en concurrence. Donc l'idée, c'est au-delà de l'aspect carburant sur lequel on a développé un produit disruptif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ben, je peux le trimballer dans mon sac. L'idée étant de pouvoir en fait offrir cette information sur les secteurs de l'industrie, que ce soit dans les cosmétiques, dans le vin, dans les huiles, dans les lessives. Et aujourd'hui, c'est offrir des solutions temps réel, bas coût, très 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 précises, puisqu'on est aussi précis que ces systèmes à 300 000 euros, qui permettent derrière substantiellement de faire des réductions sur l'impact énergétique du coût de procédé qui vous permet demain ou aujourd'hui d'avoir une lessive liquide de très bonne qualité chez vous sans vous poser la question de savoir si le produit il est bon ou moins bon. On viendra également avec vous, Alain, pour savoir quelles ont été les différentes étapes et les partenaires que vous avez trouvés sur les premières étapes de cette croissance. On va faire connaissance avec le dernier panel de notre débat. Ce sont les dirigeants d'entreprises plus établies, avec des histoires plus longues et qui sont à la tête aujourd'hui de ces ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, qui sont le principal moteur de la création de valeur et surtout d'emplois dans notre pays. Vous allez voir qu'on est dans des domaines d'activité fort différents, là encore. Maintenant, David, puisqu'on vous a déjà, on a déjà évoqué votre présence ici, David Sussman, vous êtes le fondateur de Seafoodia. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, rappelez-nous ce que vous faites dans la vie, et puis rappelez-nous, revenez au début de l'entreprise. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce business-là, mon cher? Ça fait quelques années qu'on se croise, mais j'ai envie de réentendre l'histoire, mon cher David. Arnaud, il fallait être là l'année dernière. Bon, merci beaucoup pour l'invitation et de pouvoir donc revenir aujourd'hui. Donc pour moi, ça fait 30 ans en fait aujourd'hui. Pour tout vous dire, c'est mon anniversaire. J'ai 48 ans. Joyeux anniversaire, mon cher. Exactement 30 ans, merci. C'était il y a 30 ans qu'en fait j'ai eu un de mes rêves qui s'est réalisé, c'est qu'en fait j'ai quitté l'école de commerce que j'avais commencé à Paris. Pour trouver un emploi et rapidement après créer l'entreprise et avoir un cabis. Donc, c'était en novembre à l'époque, 1988. Donc, et le rêve avait commencé en 1986. J'étais en cours d'économie et on avait parlé en fait des flux de containers. Peut-être c'était l'inspiration de CGM dans le monde entier qui passait qui était plus important désormais dans le Pacifique que dans l'Atlantique. Et j'ai décidé d'être acteur de cette globalisation, ce monde qui était mondial. Donc à 18 ans, j'ai décidé, sans le dire à mes parents, de monter mon entreprise. Donc d'autres vont surfer. Mais pour moi, c'était réaliser ma passion, réaliser mon rêve, pouvoir entreprendre et créer une entreprise à l'époque qui était déjà une entreprise de négoce. Bon, plus tard, on reviendra sur les échecs. Ça a été un magnifique échec. Et qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Et puis, plus tard, je suis parti aux États-Unis et là, j'ai poursuivi ma passion qui tournait surtout autour du commerce international et de l'alimentation. J'avais été marqué par Antoine Riboud d'Anone et j'avais été marqué aussi par Paul Ricard, évidemment dans le domaine alimentaire. Et je m'étais toujours dit que finalement, on aurait besoin de consommer. J'étais convaincu qu'un jour, il y aurait une révolution, une food revolution, et que le monde deviendrait de plus en plus global. Donc, j'avais envie d'être acteur. Je crois que c'est ce qui m'a passionné à ce moment-là. Donc, je suis parti en Amérique parce que j'ai pensé que c'était là que ça se passait. Je ne parlais pas beaucoup l'anglais, mais je suis arrivé dans une université. J'ai appris rapidement l'anglais en quelques mois. Et puis, j'ai décidé donc de trouver mon premier emploi. Et la raison pour laquelle j'ai monté mon entreprise, c'est parce que je pensais en fait ne pas pouvoir trouver l'emploi qui serait le mien ou que je serais probablement licencié ou qu'on ne me garderait pas. Et donc, je pensais que le meilleur moyen d'avoir un emploi, c'était de le créer soi-même. Donc, je félicite tous les jeunes qui sont dans la salle, qui rêvent de,
de monter l'entreprise parce qu'il faut aller au bout. Et donc là, à partir de là, je me suis quand même dit que partir de zéro, c'est impossible. Donc il va falloir surfer avec les gros. Il va falloir rencontrer du monde. C'est, aujourd'hui, vous en avez l'occasion. Il y a plein de chefs d'entreprise autour de vous. Donc l'objectif pour moi, c'était de trouver des grosses entreprises qui allaient me permettre de grandir, qui allaient me permettre de trouver un business et de surfer avec eux, parce que démarrer de zéro avec un dollar, c'est quasiment impossible. Et votre choix, ça a été de vous positionner, comme j'ai coutume d'employer ce terme plutôt que celui de fournisseur, apporteur de solutions pour des gens qui ont besoin, en particulier, de produits de la mer. Oui, tout à fait. Donc, on commercialise en fait aujourd'hui plus de 3000 containers par an. Donc, on fera plus de 150 millions d'euros, nous l'espérons, cette année de chiffre d'affaires avec une force croissance et de la croissance externe. Mais c'est donc de commercialiser des produits de la mer, en effet, dans le monde entier. Donc, nos clients peuvent être, on va en nommer quelques-uns si vous êtes d'accord quand même, mais les grandes surfaces, ça peut être Carrefour, ça peut être Picard, ça peut être des industriels, etc., dans 60 pays dans le monde aujourd'hui. On parle 14 langues et on a une croissance à 15% par an et on se porte plutôt pas trop mal. Mais on reviendra là-dessus si vous le voulez bien, Arnaud. Une première question, tout de même, l'anecdote. Quand on est comme ça, on se positionne en indépendant et on veut être apporteur de solutions pour des grands groupes. Comment est-ce qu'on décroche son premier contrat, alors que là aussi, personne ne vous attend, que j'imagine le facteur confiance ne doit pas être simple à établir. Comment est-ce qu'on décroche un premier business? Alors moi, je crois beaucoup aux probabilités. C'est comme ça que j'ai décroché justement mon... En fait, j'ai envoyé, pour trouver mon emploi ou mon idée, j'avais ciblé 2000 entreprises en Amérique du Nord, donc du Maine au New Jersey. 2000 entreprises qui exportaient. Et je leur avais proposé mes services en disant, voilà, je suis un export manager, est-ce que vous avez envie de coopérer avec moi? J'ai eu une dizaine de réponses. Évidemment, j'avais beaucoup de lettres négatives que je ne regardais pas, mais sur les 10 réponses, il y a eu 10 projets d'entreprise. Il y en a un qui tournait autour d'un justement distributeur de produits de la mer nord-américain. Et je me suis dit, tiens, produits de la mer, ça a l'air génial, j'adore les océans, c'est nouveau, ça peut avoir un impact. Et donc, c'est passé comme ça. Et ensuite, le premier contrat, ça a été la même chose. J'ai cherché à l'international où cibler des produits. Alors évidemment, là, il faut être très rigoureux. Hein. Ça n'arrive pas tout seul. Il faut trouver les couples produits-marché, les clients susceptibles d'acheter vos produits. Mais si vous envoyez des milliers ou des centaines de milliers en fait, d'offres, je dirais, vous allez avoir un client qui revient. Et j'ai reçu, en fait, au bout d'une semaine, un client rapidement qui m'a envoyé un chèque de 120 000 dollars. Voilà. Donc il m'a fait confiance. Et rapidement, ça a tourné autour de la confiance. Aujourd'hui, d'ailleurs, mon motto, c'est « In gratitude, we trust ». Mais donc, rapidement, des clients dans le monde entier nous ont fait confiance. Ça a été Hong Kong, ça a été Israël, ça a été la Jamaïque, ça a été l'Allemagne. Et à partir de là, j'ai décidé de créer la structure et puis de revenir d'ailleurs en France, ce que tout le monde pensait impossible. Mais dans le monde global, j'étais convaincu qu'on pouvait revenir à Paris, puis Marseille. On reviendra sur ce choix qui, effectivement, est plus que symbolique. Apporteur de solutions pour d'autres entreprises, c'est aussi votre métier avec vos équipes, Joseph Arakel, Tempo One, qui s'est structuré, je crois, vers les années 2010. Et si vous me permettez ce très mauvais jeu de mots, c'est un poids lourd de la logistique. J'ai une liste de clients, peut-être, j'espère qu'ils sont toujours vos clients. Ça va des fabricants de pneumatiques comme Continental ou Hankook, les vêtements Orchestra qu'on trouve, je crois que c'est aussi vous qui les transportez. Et puis par exemple, s'il y a des fans de la marque Havaianas dans la salle, je crois que vous êtes aussi un acteur clé de leur présence sur le marché. Comment est-ce qu'on développe une ETI comme celle-ci? Et puis je dirais, le jeune Joseph Arakel, là, qui a commencé dans le transport avec son Peugeot J7 dans les années 70, il rêvait déjà d'avoir une entreprise de cette taille-là? Non, ça a été un accident. Mais un réel accident. D'abord, j'étais pas très bon à l'école, et donc j'ai fait des petits boulots. Mais c'est pas grave, voilà. C'est une destinée. Ça vous a valu d'être nommé autodidacte de l'année récemment, donc comme quoi on peut véritablement surmonter tout ça. Et donc j'ai fait des petits boulots, et j'étais fonctionnaire à la SNCF, et j'avais une motocyclette, et là, ma première rencontre avec un camion, ça a été un accident, il m'a coupé la route, et au lieu de racheter une motocyclette... C'était le J7 en question ou c'était autre chose? Au lieu de racheter une motocyclette, j'ai racheté une petite fourgonnette. Et ce métier m'a plu parce que c'était de l'indépendance au départ. Et voilà, on peut visionner et concrétiser ce qu'on fait réellement au bout de la journée. Et quelque part, l'idée d'innover a cheminé et une croissance s'est engagée avec des rencontres. Parce que la vie est faite de rencontres, des gens qui avaient des besoins particuliers, une relation de confiance, une grande capacité de travail et une équipe fiable. Voilà. Et aujourd'hui, on arrive à une entreprise familiale, voilà, qui emploie plus de 500 personnes et qui apporte des solutions innovantes aux clients,
en adaptant des solutions à leurs besoins et en faisant rentrer des flux dans des canaux construits pour eux, dans des solutions spécifiques, plutôt que de faire rentrer ces flux dans des organisations déjà préétablies. J'ai retrouvé deux phrases de vous, deux citations en tout cas, qui vous sont attribuées par des confrères estimables, donc je pense qu'ils ont bien fait leur boulot, et qui peut-être résument ce qui est encore aujourd'hui votre vision du métier, du service que vous essayez d'apporter à vos clients. Je voudrais que vous nous les commentiez. La première, vous avez dit: nous n'arrivons pas chez nos clients avec une plaquette, mais avec une feuille blanche et notre vision qui est la meilleure solution correspondant aux besoins. Vous venez de nous en dire déjà deux mots. Et puis autre chose, nous maîtrisons notre sujet et nous sommes force de proposition. C'est-à-dire qu'avant que ce ne soit aujourd'hui à la mode, vous avez dit notre boulot, c'est de faire du sur-mesure de qualité dans le service aux entreprises. Oui, je pense que la première des choses, c'est être à l'écoute du client. Donc, dans ce marché aujourd'hui, ce qui domine, ce sont les guerres tarifaires. Donc, c'est les remises et sans automatiquement rechercher une expertise du métier, mais accumuler des volumes pour, si vous voulez, faire vivre un business. Donc, c'est la course au chiffre d'affaires. Nous, on n'est pas du tout dans cette stratégie. C'est de comprendre les besoins du client, les analyser, intégrer. Alors, c'est un cycle de vente qui est très long, mais quelque part, quand on sait qu'on peut apporter la solution, maîtriser le sujet, puis on s'est rendu compte qu'on faisait parallèlement tous les deux le même travail. Le client a un service après-vente et nous avons un service après-vente. Dès qu'on crée une relation de confiance, on arrive à être innovant chez le client, c'est-à-dire travailler en amont chez lui pour lui faire économiser des coûts en interne et qui ne permettent pas de dégrader tes tarifs. Économiquement, si on prend le résultat d'une prestation fiable, des économies liées à des litiges qui n'existent plus ou à du personnel qui va être plutôt employé à de la vente qu'à de la prévente, on arrive économiquement à être un acteur concurrentiel sur le marché, tout en sachant aussi que notre préoccupation est écologique. On mise plutôt sur la mutualisation des moyens qui existent plutôt que de créer nos propres réseaux. Alors, on peut être à la tête d'une ETI en la créant et ensuite en la développant. On peut aussi le faire en reprenant cette entreprise. Ça a été votre cas, Laurence Paganini. Vous êtes directrice générale de Caporal. Alors, c'est une marque qui a pignon sur rue. Vous l'avez reprise il y a 5 ans, je parle sous votre contrôle, c'est ça? C'est ça, Laurence? C'est ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'abord, comment est-ce qu'à un moment, on se dit « je vais reprendre cette boîte » Et puis ensuite, comment on décide de reprendre une entreprise? Parce que souvent, on a une vision que celles et ceux qui vous ont précédé à la tête de cette boîte n'avaient pas eu. Donc, qu'est-ce que vous avez vu que les autres n'avaient pas vu et qui vous a permis, effectivement, dans un secteur qui est secoué, hein, on est quand même dans le domaine du textile, avec derrière non seulement une hyper-compétitivité sur le produit lui-même, mais un circuit de distribution qui est en complet bouleversement. Et vous êtes à la tête d'une marque qui continue de progresser, ce que tout le monde ne peut pas dire. Donc, pourquoi la reprise et qu'est-ce que vous avez vu que, encore une fois, d'autres n'avaient pas vu dans Caporal et son potentiel? Alors, c'est vrai que j'ai la chance de diriger aujourd'hui une marque qui revendique haut et fort ses racines françaises et marseillaises. Dans le domaine du textile, il n'y en a pas tant que ça, grâce à une spécialité qui est en particulier le denim. Alors, denim, c'est dans la région Méditerranée, c'est le berceau du jean, puisque denim veut dire de la ville de Nîmes, pour ceux qui ne le savent pas. Et jean, c'est le bleu de Gênes, c'est les Américains qui ont parlé de jean par rapport au bleu qui était bleu, le bleu pour colorer les produits qui étaient fabriqués à Gênes en Italie. Donc toute une histoire. Et aujourd'hui, je suis très fière de dire qu'on a quasiment 130 millions d'euros sur un marché qui est en forte décroissance. On emploie 570 personnes. Donc effectivement, l'entreprise, je l'ai reprise il y a 5 ans. Avec finalement, quand je refais l'histoire, je me dis est-ce que c'était un rêve? Oui, c'était un rêve de jeune étudiant, parce que moi aussi, il y a 30 ans, je sortais de l'école et j'avais créé ma première entreprise qui n'a pas duré longtemps. En fait, c'était l'exportation d'électro-écrémeuses. Vous voyez, c'est les machines qui servent à traire les vaches pour faire le lait. Et donc, j'exportais ces produits aux États-Unis. Et puis, les grandes entreprises du CAC 40 m'ont rattrapée. Et j'ai passé quasiment mes 20 premières années de carrière dans des grands groupes internationaux, chez Unilever, chez Total, chez Carrefour pendant plus de 10 ans. J'ai été patron de Marionneau et de Trois Suisses, dans le domaine de l'équipement de la personne.
Et puis j'ai... C'est comme ça que petit à petit, vous vous êtes rapproché du textile. C'est exactement, parce que bon, chez Trois Suisses, le textile représentait beaucoup. Et vous voyez, c'est un processus qui parfois peut être un processus de maturation lente, hein, un projet entrepreneurial. Et j'avais toujours cette envie, quelque part, que de quand j'avais créé il y a 20 ans auparavant, de me dire, bon, finalement, voilà. Mais comment l'occasion se présente, c'est pas évident quand on est salarié des grands groupes, à des postes de direction générale, de se dire, comment je bascule, comment j'ose, quelque chose que finalement, j'ai pas osé faire quand j'étais plus jeune. Et là, c'est la vie, c'est les circonstances de la vie. J'ai beaucoup cultivé mon réseau pendant toutes ces années et un beau matin, le président de Carrefour, enfin l'ex-président de Carrefour, Daniel Bernard, m'a appelé. Il dit, Laurence, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi, j'ai été chez Trois Suisses. Il me dit, est-ce que tu peux nous donner un petit coup de main? On est en train de regarder une pépite à acheter dans le sud. Il faut savoir que c'est mes origines, je suis niçoise et je connaissais bien Marseille aussi. Et donc, il m'a demandé de l'aider à faire des due diligence et à regarder l'entreprise. Et de fil en aiguille, je me suis beaucoup attachée à l'entreprise. Et avec le fonds d'investissement qui a racheté, ils m'ont dit, écoute, voilà, c'est l'occasion jamais de réaliser ton rêve, de basculer, d'investir aux côtés du fonds et Daniel Bernard avec un comité de direction et une équipe et d'avoir l'occasion de devenir actionnaire et de participer au capital. Et là, ça change tout. Honnêtement, ça change tout parce que quand on est salarié dans un grand groupe, on n'a pas du tout la même posture. Et être vraiment à la tête d'une entreprise, d'une ETI qui a donc déjà une taille suffisamment importante au niveau régional en tout cas, ça change la responsabilité. Ça change la façon de voir les choses. Moi, j'ai eu tout de suite, je me suis dit que vous pouvez me poser la question pourquoi caporal, au-delà d'être dans une industrie que je connaissais. C'était aussi le fait de me dire que j'ai eu une vision par rapport à cette entreprise, en regardant son marché, ce qu'elle était. Et l'entreprise avait 10 ans quand on l'a rachetée. Et c'était une entreprise qui était vraiment, enfin, une très belle histoire déjà locale avec Caporal. Mais avec, moi j'avais la vision de la seconde phase de développement. Et c'est vrai que continuer à poursuivre dans un secteur qui est en décroissance, il faut avoir cette vision-là. Et la vision de se dire, il faut que cette entreprise, elle soit connectée à son environnement, à son marché, à la France, aux gens qui nous entourent. Et donc, c'est un des leviers, en fait, très importants de développement pour nous, de se dire, finalement, comment est-ce que je crée de la croissance et de la valeur, parce que vraiment, la feuille de route est claire, c'est le développement et la croissance du chiffre d'affaires, tout en s'appuyant sur le tissu local et en étant connecté. Et c'est vraiment ça qui m'a porté en fait cette vision de l'innovation au service du client. Donc on a bougé beaucoup de choses que je raconterai peut-être tout à l'heure. Alors, je veux bien tout de même que vous embrayiez tout de suite pour nous donner quelques exemples concrets de ce que ça veut dire cette vision, proximité du client, encore une fois dans un univers hyper compétitif et où la distribution de vêtements est en train d'exploser. Typiquement, pour ceux qui connaissent un peu le secteur, le textile en France en tout cas était jusqu'à il y a quelques temps, beaucoup sur du B2B, donc des marques comme celle de Caporal étaient distribuées via des grossistes. Alors, la première décision qu'on a prise, alors moi en plus avec mon passé très tourné B2C, client, etc., c'était de se dire je veux être au service du client final, et donc on a complètement switché les canaux de distribution, donc on a décidé, et ça dans un marché qui était donc en décroissance, d'investir massivement dans la création de magasins. Aujourd'hui, on a plus de 120 magasins en propre. Et là, c'est capitalistiquement parlant, ça demande effectivement beaucoup d'argent. Deuxième axe, le Internet, la révolution digitale, qui, vous le disiez tout à l'heure, impacte énormément notre business model. C'est-à-dire que vous vendez en ligne ou vous... On vend en ligne, chose qui n'était pas réalisée il y a 5 ans. Donc, on a créé notre propre site. Aujourd'hui, on est classé parmi les 1% en France, même moins que ça, d'entreprises qui font plus de 10 millions de chiffres d'affaires sur le web grâce à notre site. Donc c'est aussi une belle réussite et ça nous permet surtout de collecter de la data. Donc aujourd'hui, on a plus de 500 000 effectivement clients actifs sur lesquels on a de la data et du coup ça nous permet de mieux répondre aux clients en termes de connaissances et de produits qui vont bien. Donc ça, c'est rentrer dans l'entreprise très profondément, pouvoir faire vivre une expérience client plus importante. Et c'est ça la source de la croissance en fait.
Alors, il y a une personne encore qui ne s'est pas exprimée, mais c'était dans une logique, on terminera à tout seigneur, tout honneur par celui qui a été couronné il y a cela une dizaine de jours ou deux semaines, entrepreneur de l'année pour votre région. C'est Philippe Véran, qui est le cofondateur de Biotech Dental. Alors, on revient à l'univers de la santé et des biotech, mais avec un autre type de pédigré, parce que vous n'étiez pas scientifique au départ, vous étiez, je crois, expert comptable, mon cher Philippe. Alors, comment est-ce qu'on devient d'expert comptable à entrepreneur et comment est-ce qu'on devient entrepreneur dans cet univers en particulier? Alors, pour tous les jeunes qui sont ici présents, puisque je crois que c'est un peu l'objectif de... Il faut que vous rapprochiez le micro, Philippe. C'est un peu l'objectif de ce débat, donc d'essayer de faire partager nos expériences pour savoir qu'en fait, tout est possible. Donc, j'en suis le parfait exemple. Donc, moi, j'ai suivi des études d'expert comptable par défaut, puisque, et je vous l'ai dit... On ne le répétera pas à nos partenaires. Mais en fait, j'étais issu d'une famille où faire une école de commerce, ce n'était pas très, très bien. Donc, ce qu'il fallait, c'était avoir un vrai métier. Et un vrai métier, c'était ponctué par un diplôme et je dirais, une profession réglementée. Donc, mon père était notaire. Et voilà, donc, il fallait être notaire, médecin ou expert comptable. Donc, du coup, j'ai été expert comptable, donc un peu pour lui faire plaisir. Mais l'entreprise me plaisait, bien évidemment, puisque quand nous sommes experts comptables, on est aussi effectivement très proche des entrepreneurs. Donc j'ai eu la chance de faire ce métier pendant 10 ans, donc j'ai créé mon cabinet, donc c'était déjà aussi une façon de première de créer une entreprise. Et je suis resté donc à côté de ces patrons que j'ai aidés, conseillés, j'ai vécu leur entreprise avec eux, et je crois que c'est ce qui m'a donné ce goût absolument inouï de construire et par l'entreprise on arrive à construire. J'ai rencontré donc mon meilleur ami qui était donc un de mes clients. On a décidé tous les deux un jour de s'associer, donc ça fait 20 ans exactement il y a quelques jours. Donc on a créé une société à l'époque qui s'appelait Upperside, dans laquelle on a mis un peu de sous tous les deux. Pour reprendre une entreprise du médical qu'il connaissait bien puisqu'il avait vendu et en fait tout ce qu'il n'avait pas vendu on l'avait mis dans une espèce de société qui s'appelait Biotech donc à l'époque qui est aujourd'hui un des fleurons de la medtech française donc voilà le début de l'histoire. Donc cette société à l'époque elle faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, elle vendait un peu tout et n'importe quoi et puis on a racheté une autre société qui s'appelle Racer. Donc il n'y avait rien à voir, tout simplement parce qu'on était passionnés de sport. Et donc c'est comme ça que l'aventure a commencé tous les deux. Le reste étant pour nous... Alors entre le sport d'un côté et la biotech de l'autre, il va falloir que vous nous expliquiez comment à un moment tout ça s'est cristallisé dans le projet actuel, Philippe. Alors aujourd'hui on appelle ça Upperside Capital Partners, donc que je co-dirige avec mon ami de toujours. En plus on a fait quelque chose pour les experts comptables ou les avocats qui est absolument... et détestable. Une association à 50-50. Nous sommes associés à 50% tous les deux et nous investissons. C'est pas bien, hein, mais ça peut marcher, mais c'est pas bien. C'est un vrai risque. Et écoutez, voilà, donc ça fait 20 ans que ça dure et ça durera jusqu'à notre mort. Et aujourd'hui, donc on prépare d'ailleurs la succession. Donc ça aussi, pensez-y, les jeunes, parce qu'en fait, ça arrive plus vite que prévu. Donc on est déjà aujourd'hui dans ces phases-là, puisque j'ai la chance de travailler avec ma fille. Qui co-dirige aujourd'hui l'entreprise avec moi. Et Biotech, Philippe, comment on en arrive? Alors, à Biotech dentale? Biotech, en fait, était dans mon cabinet. C'est créé dans mon cabinet il y a 30 ans. C'est un jeune chirurgien dentiste à l'époque qui a créé cette société. Et puis voilà, puis on l'a racheté en fait. Donc elle fabriquait des implants dentaires. Biotech, c'est aussi devenu un des leaders de l'orthopédie et un des leaders mondiaux de la chirurgie de l'avant-pied. Donc on a vendu en 2010. C'est aussi devenu pour sa division diagnostique une société qui s'appelle Elitech, donc que j'ai eu la chance de créer, qui est aujourd'hui le troisième acteur de la biologie médicale française. Et voilà, et maintenant on a concentré tous nos efforts et on a réinvesti beaucoup d'argent donc pour faire de Biotech Dental un leader mondial. Donc nous sommes leader national aujourd'hui de notre métier et on veut devenir un des leaders mondiaux dans les 5 ans. Et on vient pour cela de lever 100 millions d'euros. Donc pour une fois, on s'est réassocié avec des fonds financiers, ce qui ne nous était pas arrivé depuis longtemps. Voilà, donc ça aussi, pour les fonds, on pourra peut-être en parler au cours de cette conférence. Donc j'ai un peu mon avis sur la question et je pourrais vous la donner bien volontiers. Bon, on va revenir effectivement sur ces questions. Mais déjà, vous voyez, il y a une première réalité à travers tous ces témoignages, c'est que la vie n'est pas linéaire, et tant mieux, quoi. Voilà.
Joseph Arakel était sur sa mobylette, il a failli se faire tuer par une camionnette, finalement il en a acheté une et ça donne une entreprise de logistique. Loubna avait une idée, c'est devenu un business assez proche, mais tout de même pas en droite ligne. On a quelqu'un qui était effectivement avec un profil de chercheur qui est devenu entrepreneur, quelqu'un qui était expert comptable, qui a repris plusieurs entreprises et qui aujourd'hui est à la tête d'une biotech. La non-linéarité, finalement, est porteuse de tout un tas de bonnes nouvelles et de belles histoires. Ça, la non-linéarité, ensuite, tout au long d'un parcours d'entrepreneur, ça n'est que ça. Voilà. On gère des choses qui sont, que les sages orientaux appellent l'imprévisible de la vie. Dans l'imprévisible de la vie, il y a des mauvaises surprises, il y a des galères, il y a des moments où on commet des erreurs, où on se retrouve dans des situations délicates, et puis parfois, on en retire des leçons. Dans un magazine que je dirigeais auparavant, on avait une rubrique qui s'appelait « Ma plus belle erreur », celle qui a failli me tuer et dont finalement j'ai tiré quelques leçons de management. J'aimerais que les uns et les autres vous nous racontiez comme ça un moment difficile et où finalement vous avez appris quelque chose qui aujourd'hui rend plus fort l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui. Loubna, vous voulez ouvrir le bal ? Une galère à partager avec nous ? Une galère formatrice ? Alors, des galères, on en a tous les jours. C'est un peu la particularité du métier d'entrepreneur. Mais ce qui fait la force, c'est comment on résout les galères. C'est un peu l'idée de cette séquence. Allez-y, justement. C'est ça. Alors, nous, on a eu d'énormes galères, tout simplement parce qu'on a été vers un métier qui n'était pas le nôtre. Donc, moi, j'ai fait un master en innovation réseau numérique. Mon associé a fait Sciences Po Paris. Et mon autre associé, une école de commerce. Et business de traiteur, c'est un peu autre chose. Et le traiteur, c'est hyper compliqué, c'est hyper réglementé, c'est hyper processé. Et on ne connaissait pas du tout le métier de la restauration. Donc on a fait en fait à notre instinct et on a fait ce qui nous paraissait évident pour nous. En tant que consommateur peut-être. En tant que consommateur et en tant que nous-mêmes en fait. Et donc par exemple sur l'une de nos premières prestations, donc c'était une prestation pour 200 personnes, on devait nourrir 200 personnes et on s'est pas rendu compte en fait de tout ce qu'il y avait derrière en termes de logistique et de préparation. 200, c'est un gros groupe en alimentation. Alors, on a eu des gros groupes qui nous ont rapidement fait confiance, donc ça c'est l'avantage qu'on a eu. Et du coup, je me souviens de cette première prestation où on est arrivé donc avec effectivement, on a réussi à nourrir 200 personnes, mais on l'a fait à notre manière et on est arrivé avec une énorme marmite. Et c'est vrai qu'arriver avec une énorme marmite dans une entreprise, ça fait, les gens ont été assez surpris. Mais nous, ça nous paraissait tout à fait normal. Et ensuite, avec le métier, on a appris qu'on pouvait aller acheter des conditionnements spécifiques, etc. Mais aujourd'hui, ça a fait notre réussite parce que ce premier client, donc on lui a présenté notre nouvelle offre et il nous a dit « Ah non, moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux la marmite de la mama. » Et aujourd'hui, c'est devenu une nouvelle offre qu'on a créée, donc qui s'appelle la marmite de la mama, qu'on propose aux entreprises, donc bien sûr de manière très cadrée, mais ça, c'est aussi ce qui a fait du coup notre différence. Mais ça nous a paru un échec au début, puisque on était vraiment pris de court et on a fait comme on a pu. Ça fait partie, ça illustre le concept anglo-saxon, la sérendipité, les hasards qui finalement s'avèrent des hasards parfois porteurs de belles idées ou de bonnes surprises. Guéric, vous aussi, on va passer par ordre d'ancienneté dans l'expérience entrepreneuriale. Une petite galère formatrice à partager avec nous ? Une galère parmi tant d'autres. La première erreur qu'on a faite, c'est de vouloir sortir un produit sans l'avoir mis dans les mains des utilisateurs. C'est un béaba. Oublier le client ? Ouais, on a été financé pour faire un projet d'ingénieur, comme on dit parfois en France. Exactement. Ouais. Donc, financé avec les équipes qui vont bien. Et on a mis un peu de temps pour s'en rendre compte. Heureusement, on n'en est pas mort. Et après, on s'est focalisé sur un domaine d'activité où il fallait de l'usage et un besoin fort. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est un usage quotidien. Mais ça a été difficile et c'est une conduite de changement. Il faut que les associés et surtout que l'équipe soient vraiment soudées pour arriver à passer cette étape. Vincent, Alain aussi, vous qui êtes un peu plus avancé dans le parcours, j'aimerais partager avec vous des galères ou peut-être ces moments où il faut faire un pivot, vous voyez, changer, infléchir le cap de l'entreprise parce que la vision initiale s'avère pas totalement conforme au marché. Est-ce que vous avez des expériences à partager avec nous, Vincent Ferre ? Il y en a plein des galères. Je me souviens d'une... Rapprochez bien le micro, Vincent. Une galère assez exceptionnelle qui était vraiment au tout début de ma vie d'entrepreneur. À l'époque, il n'y avait pas de mode d'emploi d'entrepreneur qui traînait sur Internet. J'étais en train de conclure un tour de table d'émergence. Et l'avocat que j'avais choisi, et mal choisi, s'est mis à plaider
contre mes intérêts. C'est original. Au moment du closing. Et donc, il a fallu que je prenne cette décision difficile, mais qu'évidemment, il faut prendre, de virer son propre avocat. En direct. En direct. Donc ça, c'était... J'ai eu une autre expérience un peu plus tard. On était en procès aux États-Unis avec une grosse société qui était 20 fois plus grosse que nous. Et on a une transaction. On passe une matinée complète à négocier. Je sors avec l'accord, ou en tout cas ce que je croyais être l'accord, complètement effondré, enfin en tout cas fatigué. Je monte dans ma voiture et puis je reçois un appel juste avant d'arriver à l'aéroport. We have no deal. Donc le CEO de la boîte se rétracte et dit qu'il n'a pas compris. J'ai annulé mon avion, je suis revenu pour renégocier. Voilà. Donc jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que ce soit signé, vous n'avez pas de deal. Quelles leçons vous en avez tirées de ces expériences, de ces mésaventures d'ordre juridique et contractuel? Le fait, effectivement, d'être extrêmement prudent sur toutes les clauses d'un contrat, et puis le fait de trouver un partenaire qui puisse s'inscrire dans la durée et ne pas vous réserver de mauvaises surprises. Oui, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait que la confiance, c'était la base du business. C'est évidemment vrai, et on doit toujours être paranoïaque par rapport à ça. Il faut vraiment... et puis surtout, à un moment donné, il faut suivre votre instinct. Il ne faut pas se laisser manipuler par les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui cherchent à vous manipuler. Il faut revenir à des choses à l'intérieur de soi pour prendre des décisions. Seuls les paranoïaques survivent, disait le fondateur d'Intel. C'est une phrase qui est devenue cliché. Alain, un changement de cap, une galère, story à partager avec nous? Oui, alors en 12 ans, des galères, on en a eu pas mal. Il y en a peut-être deux. La première, c'est qu'effectivement, il ne faut pas mélanger... affinité, affaires, et en fait dans le capital de la société, j'avais fait venir en fait un de mes amis qui était techniquement et très très compétent, et en fait j'ai pas vu que au bout de quelques années en fait nos points de vue sur la décision stratégique de management on s'éloignait en fait, et je l'ai pas vu, ou je l'ai minimisé, et on venait de faire un tour de table de 2,5 millions d'euros en pleine crise automobile. Donc effectivement, vous vendez l'équipe, hein, la techno, mais l'équipe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus travailler ensemble parce qu'il allait potentiellement détruire la société. Et donc, il y a eu prise de décision difficile de, entre guillemets, licencier. Donc heureusement, ce n'était pas à part. J'avais suivi mes conseils, pas fait du 50-50. Mais effectivement, prendre la décision difficile de virer, licencier un ami proche, très proche, et d'expliquer à mon fonds d'investissement que je venais de couper, on va dire, mon bras droit, quelques mois après qu'il soit effectivement rentré dans la boucle. Donc comment vous les avez rassurés sur l'étape suivante? Parce qu'on sait que quand on discute avec des investisseurs, on se rend compte que avant de prendre une décision d'investissement, ils ne regardent pas simplement le business plan. D'ailleurs, l'investisseur final, souvent les mauvais business plans n'arrivent même pas sur son bureau, il regarde les équipes. Et donc, si un membre important de l'équipe s'en va avant l'investissement, comment est-ce qu'on les rassure? Alors je pense que le fait d'avoir pris la décision de virer mon meilleur ami était la meilleure décision pour eux, de comprendre que j'étais capable effectivement de protéger l'entreprise et, on va dire, leurs intérêts au-delà, on va dire, d'affinité. De l'affect, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc je pense que ça, finalement, en soi, ça, ma décision a intégré finalement quelque part une réponse à un questionnement. Et sur lequel, effectivement, quand vous levez des fonds, vous allez vous rendre compte que l'important, effectivement, en dehors de l'aspect produit, marché, technologie, c'est effectivement l'équipe. Et j'étais pas très, très à l'aise, on va dire, effectivement, quand j'ai dû annoncer la décision un soir. Et finalement, la réponse, elle était assez claire en disant, voilà, tu te rends compte, bienvenue dans le club. La vie, c'est pas que des success stories. On avait réussi à faire pas mal de choses sympas. Et là, c'était la première fois qu'on était confronté à quelque chose d'assez difficile. Et voilà, donc il faut avoir beaucoup d'éthique, de respect, que ce soit vis-à-vis de ses équipes, je pense, mais aussi vis-à-vis de vos investisseurs, des clients, bien sûr. Et ça, ça fait partie, à un moment donné, d'une décision très difficile qui vous amène au prud'homme. Mais bon, on va dire, comme je suppose un bon nombre d'entre nous, à partir du moment où vous gardez la tête sur les épaules et une honnêteté vis-à-vis de la façon dont vous travaillez, d'être d'accord, pas d'accord, c'est une chose, mais de venir, on va dire, détruire une équipe, ça, c'est un autre point. Donc la décision du chef d'entreprise, c'est des fois de faire des choses
pas forcément sympathique. Alors on va poursuivre cette séquence qu'on pourrait résumer par « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort » avec nos amis dirigeants d'ETI. Mais j'aimerais leur poser une question un peu plus précise puisqu'ils ont une expérience plus longue. C'est qu'ils nous racontent ces moments, on parle souvent de ça, hein, notamment dans les échos, sur notre chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, le pivot, la nécessité à un moment d'infléchir le cap, de partir dans une direction qui n'était pas le projet initial. Et j'aimerais vous entendre là-dessus. Peut-être, je reviens vers vous, Joseph Arakel, parce que je soulignais dans la séquence précédente la cohérence de votre vision, ce sens du service, mais vous avez dû aussi faire des changements de cap. Sur quoi ont-ils porté, par exemple ? Alors moi, là aussi, ça a été un accident. J'ai eu que des accidents dans ma vie. Ouais, enfin, visiblement, voilà, vous avez une schkoumoun qui porte chance, mon cher. Hein, donc. Si vous voulez, j'ai été d'abord transporteur-distributeur. Donc, c'est-à-dire que j'étais sous-traitant d'autres opérateurs transport et moi j'ai eu un bel échec, c'est-à-dire j'ai pris des impayés importants. Aujourd'hui existe une loi qui s'appelle la loi Guesso, qu'on nomme l'action directe, qui permet d'être payé par le client remettant si le sous-traitant n'est pas payé. Ça n'existait pas. Donc j'ai eu une période très difficile en tant que distributeur. Et à travers cette distribution, j'ai eu la chance quand même de travailler pour des grands clients comme Continental, des manufacturiers, qui rencontraient des problèmes logistiques et distribution. Donc, ils m'ont approché en me demandant de bien vouloir prendre ses parts de marché. Et c'est comme ça qu'on a pu muter de la distribution vers une prestation plus complète aujourd'hui qui englobe la logistique, l'aérien, le maritime, la commission de transport et la distribution. Merci beaucoup, Joseph Arakel. Alors, dans un autre univers, on évoquait tout à l'heure Laurence Paganini. Vous êtes dans un univers extrêmement mouvant, celui du textile, des marques d'un côté, la distribution de textile qui bouge peut-être encore un peu plus. Donc, j'imagine que le pivot, ça doit être une sorte d'exercice régulier, permanent chez vous. Quel a été peut-être le plus significatif que vous puissiez partager avec nous ? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que la prédictabilité du marché aussi est un obstacle pour nous, une montagne. Et plus on avance, la route est claire, on sait où on veut aller, et la pente est de plus en plus pentue. Donc c'est une des difficultés qu'on a. Déjà, dire que la route est claire quand on fait du textile et de la distribution textile, c'est déjà pas mal. Comment est-ce que vous faites en sorte de la clarifier, la route ? C'est vrai qu'on partage beaucoup avec l'équipe, et j'ai la chance d'avoir une super équipe avec qui, justement, on peut parler stratégie. Je vais vous dire, le cap, je vais parler là de vitesse, parce qu'on n'a pas encore parlé de vitesse. Et je crois que la rapidité de prise de décision est presque plus importante que la qualité intrinsèque de la décision qu'on prend dans le monde dans lequel on vit. Alors ça mérite une petite explication de texte, ma chère. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, le monde bouge énormément. Nous, on voit que les horizons de temps, en fait, en tout cas, dans le domaine de la tech qui arrive dans le retail, dans la distribution, dans le textile, est tellement rapide. C'est la fameuse accélération des cycles dont on absolument, parle souvent. Ouais. Absolument. Et donc, du coup, on pouvait faire des business plans sur 3 ans. Maintenant, on est plutôt sur 3 mois dans la visibilité. Et donc, quand on doit prendre des décisions structurantes dans la société, dans l'entreprise, il faut en tenir compte. Exemple très concret, on a eu récemment vraiment le besoin de changer notre ERP. ERP, c'est tout le système informatique de l'entreprise qui s'occupe de tout le process, le passage de commandes, les achats, les livraisons. Enfin bon, c'est tout le système informatique de l'entreprise. Et au démarrage, on s'est dit, on va faire quelque chose de soft, c'est-à-dire on va aller dans la continuité, on va rénover sans se projeter plus que ça, parce qu'il y a des très gros risques quand on change de tout planter. Et on a fait une petite étude de marché, on s'est réunis, on a beaucoup discuté, et finalement on a osé choisir la solution la plus innovante qui soit sur le marché. Quelque chose qui va, on le sait, nous faire gagner 3 ou 4 ans d'avance par rapport au marché aujourd'hui. Et là, donc, c'est pas un changement de cap en soi, c'est juste le fait, à un moment, de se dire, voilà, comment je peux accélérer les cycles et être en avance de phase par rapport à mes concurrents. Oui, mais ça, Laurent, c'est un exemple particulièrement intéressant, parce qu'en fin de compte, ça illustre une des difficultés aujourd'hui du travail de dirigeant d'entreprise. À la fois, il faut aller de plus en plus vite, ce que je résume souvent, c'est une phrase de MacArthur qui disait « Les batailles perdues se résument en 2 mots trop tard ». Ça, j'imagine que ça doit vous parler, les dirigeants d'entreprise que vous êtes. Et puis, en même temps, il y a une exigence de qualité
L'exécution, parce que le client est de plus en plus impitoyable, c'est de l'injonction contradictoire, ça. Comment est-ce qu'on gère ça au quotidien? Alors, moi, je vais vous dire, c'est vrai que dans les choses importantes, dans les réussites, dans les clés de succès, plutôt, pour réussir à faire ça, il y en a deux. La première, c'est la gouvernance. On n'a pas encore parlé de gouvernance, mais on en parlait juste avant. Voilà, c'est un sujet qui m'est cher, donc vous pouvez vous lancer, ma chère. Et donc là, on peut, avec une bonne gouvernance, on peut tout réussir. C'est et quoi une bonne gouvernance dans votre cas, par exemple? Je m'explique, parce que moi, dans les échecs dans ma carrière, notamment quand j'ai eu des échecs, c'était parce que la gouvernance, en tout cas, ne me convenait pas ou n'était pas claire par rapport à la stratégie. En tout cas, je n'ai pas trouvé ma place. Pour le cas de Caporal, on a un alignement parfait, vraiment dans les des étoiles, entre nos actionnaires majoritaires, la présidence et notre équipe de direction. Parce que, en tout cas, moi, quand j'ai composé l'équipe de direction, je ne me suis pas dit, je vais choisir les meilleurs dans chacune de leurs spécialités. Alors, en réalité, c'est ce qu'ils sont quand même, mais je vais surtout les choisir pour qu'ensemble, toute l'équipe, on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, le critère majoritaire a été la capacité à travailler en équipe et la capacité à créer de la valeur ensemble. Et de casser les silos et de faire en sorte d'avoir cette vision et d'intégrer. Et donc, les prises de décision sont extrêmement collaborative et donc c'est une condition sine qua non pour la réussite aujourd'hui et ça fait partie de la gouvernance parce que c'est la même chose avec les actionnaires, on est vraiment extrêmement alignés. Je reviens vers vous David parce que vous avez été le premier tout à l'heure du reste à évoquer très spontanément les galères, les moments un peu délicats de réorientation, de changement de cap, hein, pour prendre une métaphore maritime puisque c'est un univers dont vous êtes très proche. Racontez-nous celle peut-être dont vous avez le plus appris dans cette histoire. Alors, en fait, ils sont divers et variés, mais le premier prud'homme. Donc là où vous qu'est-ce que vous avez appris de votre premier prud'homme? Non, mais parce que j'ai autre chose à dire. Oui. Mais ça a été le premier prud'homme que vous allez vivre, vous allez vous planter. Ça a été le mauvais choix peut-être du conseiller. Vous avez un expert comptable, mais le conseiller qui n'est pas au niveau. Ensuite, ça va être le premier contrôle fiscal. Le premier vous contrôle en aurez URSSAF. Aussi, hein, et ce n'est pas grave. Et aujourd'hui, on va revenir sur un mot pour moi qui est important, c'est la responsabilité. Quand vous allez créer une boîte, vous allez la créer, si je ne me trompe pas, hein, c'est toujours pour 99 ans, n'est-ce pas? Donc en principe, vous ne serez plus là. Hein. 99, enfin pour certains qui sont les plus jeunes, oui, mais les autres, vous ne serez plus là. C'est-à-dire que vous allez vraiment créer quelque chose rustine, qui va durer longtemps. Vous êtes extrêmement responsable et la garde à vue, elle peut arriver assez rapidement. On l'a tous plus ou moins vécu ici, mais vous vous retrouvez vraiment responsable de quelque chose de terrible. Donc, créer une entreprise, c'est vraiment comme faire des enfants, voire plusieurs enfants d'un coup, d'un seul. Et donc ça, on ne le mesure pas toujours au début avec notre enthousiasme, notre bienveillance. Et donc, prenez-en la mesure parce qu'aujourd'hui, les taux se réduisent. L'État est de plus en plus proche de nous et de plus en plus proche de vous. Vous ne pouvez pas tout savoir et c'est normal. Vous êtes expert dans votre domaine. Si vous êtes créateur d'entreprise, c'est assez rare d'ailleurs de voir des techniciens. Là, je vois des experts comptables qui créent des entreprises. Mais je pense que le pourcentage est assez faible. On en voit de plus et donc, en plus, cela étant. Et donc, voilà, ça, prenez-le en compte. Donc, lorsqu'on vit tout ça, et puis moi, une dizaine d'années plus tard, j'ai vécu la crise il y a 10 ans de 2009, 2008, et j'ai failli tout perdre à ce moment-là. Et on a merveilleusement bien reconstruit. Alors là, justement, ce qui s'est passé il y a 10 ans pour nous, c'était fondamental, c'est qu'on a pris en compte, en fait, les hommes beaucoup plus. Et s'il y a trois choses essentielles que je voulais dire, c'est les hommes, avec qui, dans l'immobilier, on dit l'emplacement, mais les hommes. Et nous, il y a 10 ans, on a lu L'entreprise du bonheur. Il y a un petit livre aussi que j'ai beaucoup aimé. L'entreprise du bonheur, c'est un bouquin formidable qui a été écrit par le fondateur de Zappos, le site qui a été le pionnier de la vente de chaussures en ligne. C'est vraiment un bréviaire de management que je vous conseille à toutes et tous. Un autre, c'est Ma petite entreprise a connu la crise. Magnifique aussi de Nicolas, un entrepreneur que nous connaissons bien. Et donc, à partir de là, on a complètement inversé la structure. On s'est mis à co-construire, on a travaillé en équipe. J'ai mis les hommes au cœur du business. Et alors que je pensais que c'était peut-être la fin de la boîte, on l'a complètement retourné, c'est reparti. Je me suis mis à travailler pour mes collaborateurs pour nos partenaires, et on s'est mis à deliver wow through customers, et la société, du coup, se développe à plus de 15% de croissance par an. Voilà, et ça, c'était un grand virage. Je voudrais juste, allez-y, s'il vous plaît. J'ai mis un t-shirt rouge aujourd'hui. Pourquoi ?
Je suis le seul à avoir osé mettre un t-shirt, hein, parce que ça ne se fait pas en général, le dirigeant, ça fait 30 ans qu'il a sa boîte. On n'est pas trop formaliste ici, hein, mon cher. Alors ici, en fait, vous avez mon logo Sifudia, vous avez la terre, et dessous, vous avez une action qu'on a menée. Alors, ça tombe pile poil, parce que j'avais prévu de vous parler un petit peu d'environnement. Hier, avant-hier, rapport du GIEC qui tombe, génial pour moi aujourd'hui, donc la transition est faite. Vous savez que le monde aujourd'hui est en train de se prendre un degré et demi de plus, et que grosso modo, ici à Marseille, on va avoir le temps d'Alger, j'adore Alger, hein, désormais, dans une dizaine d'années. Il y a peut-être des Algériens dans la salle, j'adore l'Afrique. D'ailleurs, je sais qu'il y a des membres d'Africa Link, allez travailler en Afrique. Hein, parce où que la révolution entrepreneuriale est en marche. Hein, voilà. En marche, absolument. Où je fais une majorité de mes affaires, hein, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et où on attend des entrepreneurs français pour investir. On travaille beaucoup sur ce sujet aussi aux écoles. Voilà, Africa Link va être content. Je sais qu'ils sont là aujourd'hui. Et donc, pourquoi ce t-shirt rouge? Pour dire que, un, OK, la situation de l'environnement est catastrophique. Alors, même si je pense que des solutions peuvent venir, elles viendront de vous dans la salle aujourd'hui. Et quelque part, même si c'est terrible, et je vais en parler parce que je combats personnellement tous les jours pour cela, je pense que pour vous, jeunes dirigeants, c'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire que ça peut donner du sens, ça va vous donner une bonne raison de vous lever tous les matins, et en plus, vous allez sauver la planète et sauver le monde pour vos enfants et vos petits-enfants et les générations futures. Et ça, c'est une opportunité que nous, on n'avait pas il y a 30 ans. Parce que moi, il y a 30 ans, je me suis levé le matin quelque part pour réussir, pour faire avancer mes affaires, mais je n'avais pas ça. Alors que vous, aujourd'hui, vous avez une condition fabuleuse qui est de sauver la planète, et il y a peu d'entreprises qui le portent. C'est le discours que mène notamment Elon Musk, même s'il vit une période un peu difficile aujourd'hui, mais il s'en sortira comme toujours. Ou d'autres magnifiques entreprises qui, aujourd'hui, ont mis le green au cœur de leur entreprise. Donc, un, la situation est catastrophique. Qu'est-ce que vous faites personnellement? Personnellement, c'est désormais à vous de venir ici en voiture électrique, ce qui est mon cas d'ailleurs, ou de venir en vélo, voilà, de changer votre quotidien. J'aimerais bien d'ailleurs, voilà, vous voyez ça? J'aimerais bien que l'année prochaine, on ne le voit plus. Parce que le plastique, c'est terminé. J'ai presque fini. Oui. Et ensuite, professionnellement, ayez un impact dans votre entreprise demain, immédiatement. Ayez un impact green. Et trois, prenez une action concrète, soit dans des ONG, rejoignez-moi avec Pure Océan, pourquoi pas si vous le souhaitez, renouagez Greenpeace, Surfrider ou autre chose, mais prenez des actions concrètes et mieux encore, créez votre compagnie parce que vous allez voir que vous trouverez des fonds beaucoup plus facilement. On parle de fonds d'environnement, mais c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui, n'est-ce pas, cher ami? Ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est de belles histoires qui ont du sens. Et donc là, vous êtes dans un monde aujourd'hui qui est en pleine disruption, qui est extraordinaire. Et je pense que si je devais changer quelque chose aujourd'hui, je partirais là-dessus. Et donc c'est le sens en fait de ce t-shirt, parce que la semaine dernière, nous avons nettoyé le vieux port. Donc avec les Seafood Lovers et d'autres entreprises, c'est une action donc civile, citoyenne. On allait nettoyer le vieux port qui est très proche, très propre. Et j'espère dans 20 ans d'ailleurs qu'on pourra s'y baigner tous ensemble. Mais continuons de rêver. On reviendra avec les uns et les autres. Je sais que Joseph Arakel est très attaché à cela, c'est-à-dire vos engagements en dehors de l'entrepreneuriat, mais ce sera pour la fin de ce débat. Je voudrais revenir avec vous, Philippe Véran, sur peut-être au-delà du pivot, vous avez sans aucun doute des histoires de pivot à partager avec nous, mais aussi sur cette dimension-là importante que vient d'évoquer David, c'est la dimension du collectif. Quand on vous a remis votre prix de l'entrepreneur de l'année, il y a de cela quelques jours, j'ai été très marqué par la manière dont vos collaborateurs parlaient de vous et de l'aventure biotech dentale. Et j'ai l'impression que dans votre fonction de dirigeant, le fait de susciter de l'adhésion, de responsabiliser les gens pour les aider à gérer la transformation permanente de votre entreprise, c'est pas loin d'être votre priorité de manager. Je me trompe? Oui, nous, l'ADN de notre groupe et le slogan de notre groupe, c'est Human and Technology. Donc c'est vrai qu'étant une société médicale, plutôt tourné vers l'innovation, la techno est forcément fondamentale, mais les hommes avant tout, et donc je te rejoins, c'est complètement vrai. Les hommes et les femmes, évidemment, on parle de hommes avec un grand H, ou plutôt de femmes avec un grand F. Mais en tous les cas, voilà, oui, c'est ça qui fait l'entreprise. Et au final, quand tu parlais tout à l'heure de responsabilité, moi je crois que c'est la seule chose qui m'anime. Aujourd'hui, je n'ai qu'envie parce que on se sent responsable, on se sent complètement... Moi, il y a 20 ans, j'étais pas plus stressé que ce que je le suis aujourd'hui, ou plutôt j'étais aussi stressé que ce que je le suis aujourd'hui. Donc il n'y a pas de statut de réussite, il n'y a pas de... Je crois que cette espèce de stress permanent que l'on a, d'inquiétude qui nous prend comme ça les tripes, 24 heures sur 24, c'est parce qu'on se sent responsable
des femmes et des hommes qui travaillent avec nous et qui travaillent pour nous. Et si j'ai un message à faire passer, moi, en tous les cas, c'est ce que j'en retiens, et je suis intimement convaincu que les dirigeants qui sont autour de cette table avec moi ont exactement les mêmes conclusions. Être responsable, c'est juste merveilleux. On parlait aussi donc effectivement des grands enjeux. Donc il y a celui-ci, puis il y a celui effectivement que l'on fait pour la planète. Chacun dans vos entreprises, vous allez faire quelque chose. Alors qui transporte, qui soigne, puisqu'il y a deux entreprises du médical aujourd'hui. Donc nous, on a la thématique de notre entreprise est faite effectivement pour soigner l'autre. Mais quelle que soit l'entreprise, de toute façon, quel que soit son objet, elle est forcément faite aussi pour faire quelque chose de bien pour l'autre. Et si en plus on peut faire, et tu as raison, il faut faire quelque chose pour la planète. Et vous les jeunes aujourd'hui qui êtes la relève, je vous vois travailler, je vois mes enfants, je vois les jeunes qui travaillent avec nous, j'ai aucun doute, vous allez être bien meilleurs que nous, de toute façon c'est évident. Alors, on approche déjà de la dernière ligne droite de ce débat, et puis je suis désolé les amis, mais on n'a pas encore parlé d'argent, donc j'aimerais que vous nous racontiez deux choses. On a déjà, en préambule à ce débat, évoqué la manière dont s'est développé le paysage de l'accompagnement autour des entrepreneurs. Donc j'aimerais que les unes et les uns et les autres, vous nous disiez, un, qui vous a le plus aidé dans votre parcours à ce stade où vous en êtes, et d'autres, que vous répondiez à cette question, c'est est-ce que vous arrivez à trouver les moyens de votre croissance, les moyens financiers, et si oui, où? On commence avec vous, Guéric. Qui vous a aidé dans l'aventure Woog, et est-ce que vous trouvez encore une fois les ressources nécessaires à vos ambitions? Alors les gens qui nous ont aidés, on est passé par un processus assez classique, Business Angel, fonds d'investissement. Ce qui est intéressant, c'est que tous nos investisseurs nous ont apporté humainement du réseau, du management, du conseil. Plus que de l'argent. Plus que de l'argent. L'argent, c'était pour faire vivre la trésor et permettre à la société d'être à l'équilibre, ce qui est le cas aujourd'hui, bien qu'on réinvestisse et qu'on est toujours accompagné par ces gens-là. Ça n'a pas été facile. À partir du moment où on a commencé à faire du chiffre d'affaires, ça a été beaucoup plus facile en démontrant le marché. Sur la recherche de fonds. Mais il ne faut pas que ce soit un but en soi. Le but en soi, c'est de faire un produit qui est vendu à des clients dans un premier temps. Loubna, une première question un peu spécifique, je l'évoquais tout à l'heure. Vous êtes à Station F, qu'est-ce que ça change d'être dans un incubateur ? Alors, nous, ça nous a beaucoup aidé, et surtout au tout début de notre aventure, parce qu'on n'avait pas du tout de bureau, donc c'est sympa d'avoir un toit déjà pour ces équipes, donc c'est la première chose. Un abri pour la marmite des mamas. Voilà. Deuxièmement, ça nous a permis de faire pas mal de partenariats. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on s'est développé. C'est grâce aux partenaires et grâce au réseau qui est hyper important et qu'il faut savoir bien travailler et il faut savoir oser demander. Quand on s'est créé, donc on a créé ça il y a un an et demi maintenant. Moi, je vivais de la bourse du Crous. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de financement. Personne ne nous a aidés financièrement. Par contre, on a osé demander, pas forcément de l'argent, mais plutôt des partenariats. Donc, c'est des partenariats qui sont arrivés hyper rapidement. Et aujourd'hui, quel type de partenariat, Loubna, par exemple ? Alors, il y a plusieurs types de partenariats. Par exemple, notre idée de départ, c'était d'avoir un lieu dans Paris. Bien sûr, on n'a pas les moyens d'avoir un lieu dans Paris, mais aujourd'hui, on a fait un partenariat avec Danone, qui nous finance, donc qui nous a fait un chèque pour avoir un lieu dans Paris et financer trois personnes pour le tenir. Donc vous êtes les bienvenus. Vous tirez profit du fait que des grands groupes comme ça ont besoin justement de se rapprocher des startups pour gérer leur propre transformation. Ouais. Donc on a fait ce partenariat avec Danone qui aujourd'hui nous offre un lieu physique. On a fait un partenariat avec Google pour former toutes nos mamas aux outils numériques et un partenariat com également. On est en train de faire un partenariat aussi avec un autre acteur du bâtiment, donc pour avoir des cuisines dans toute la France. Et aujourd'hui, en étant un peu malin et un peu audacieux, on peut réussir sans gros financement à réaliser de belles choses. Alain, Vincent, le binôme indissociable depuis le début de cet après-midi, qui vous a aidé et comment est-ce qu'on trouve, notamment vous en êtes à cette phase où après le financement de l'amorçage de l'activité, ça fait quelques années maintenant que vous êtes dans cette phase d'approche du capital investissement, comment ça se passe ?
Vincent, vous commencez. Alors, sur qui c'est qui m'a aidé, j'ai eu la chance d'avoir deux mentors qui étaient les dirigeants de la société dans laquelle j'ai appris mon métier. Donc j'ai quand même été entrepreneur un peu sur le tard par rapport à cette assistance à 40 ans. Mais il n'y a pas d'âge pour exceller. Il n'y a pas d'âge. Et donc, ce que je voulais juste dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des infrastructures, les incubateurs, l'accompagnement est extrêmement... c'est amélioré et que c'est extrêmement bon. Il faut accepter les conseils que vous avez. C'est une grande chance d'avoir toute cette organisation et tous ces gens qui peuvent vous aider dans votre expérience d'entrepreneur. Donc ça, ça a beaucoup changé et je m'en félicite. Ensuite, sur la partie capitale, comment on fait pour financer sa croissance? Ben, je crois que d'abord, il faut reconnaître qu'on habite un pays qui est quand même assez extraordinaire. Hein. On a, en tout cas pour nous, société d'innovation, et pour beaucoup de sociétés, le crédit d'impôt recherche, hein, qui est quand même quelque chose de super. On a, nous envient un bon nombre de pays, d'ailleurs. On a une structuration de, en particulier du groupe BPI qui, à mon avis, fournit des prestations de premier ordre en termes de qualité. Et ça, moi, j'ai vu ça se créer au cours du temps. Et ça, c'est une véritable opportunité, hein, pour les entrepreneurs. Et on voit que le climat en France change énormément et que cet accès au capital, c'est... Je pense qu'il y a encore des progrès à faire, mais on est très compétitifs, on est sur le chemin de la compétitivité. Alain, vous êtes aussi un BPI boy ? Oui, par la force des choses, mais effectivement, ils nous ont soutenus dès le début, mais pas que BPI ou Envar ou Zéo, hein, puisque en fait, c'est les mêmes personnes, c'est les noms qui changent. Ça dépend en fait, tout au début, vous devez vous faire accompagner, donc vous avez les réseaux, les instituts régionaux, les pépinières, les incubateurs. Les instituts régionaux de technologie en particulier dans votre cas ? Oui, par exemple, et c'est très important parce que ça vous permet de garantir, en fait, si vous maillez correctement dans le réseau existant, ça vous permet de créer des contacts et de gagner en légitimité. Ce qui vous permet, dans un second temps, d'aller chercher des business angels, alors nous, pour le coup, sur la place parisienne, qui, là, c'est vraiment une force de conviction, hein, vous allez les intéresser sur la base de 3 minutes d'échange, et ils vont être capables de mettre 500 000, 1 million d'euros pour permettre ensuite derrière de vous faire accompagner par des fonds en levée série A, série B, c'est-à-dire tout l'accompagnement du capital risque. Et aujourd'hui, on est plus sur des phases de capital développement, et les relais de croissance peuvent se faire au travers de banques classiques sur des pré-innovations. L'Europe, il ne faut pas l'oublier, elle est souvent décriée, mais au final, on est un des lauréats d'un ce qu'on appelle l'instrument PME H2020 phase 2. C'est 1 200 000 euros en subvention. Il y a 10 boîtes comme ça en France qui ont été lauréats dans notre thématique Smart City et transport. Et l'important, donc, c'est se construire. C'est pas quelque chose encore de linéaire. Et ça s'adapte. On est, on va dire, dans la vallée de la mort. C'est-à-dire, vous êtes entre la fin de la R&D et le début de l'industrialisation. Et là, donc, vous allez vous adresser, en fait, à d'autres personnes. Ça peut être des relais bancaires, des industriels. Où là, effectivement, pour le coup, votre produit est quasiment prêt. Et là, ils peuvent rentrer, effectivement, sur des phases financières. Donc, ça se construit. Et c'est vraiment très, très... inhomogène, et ce que je fais aujourd'hui, c'est pas ce que je faisais il y a 3-4 ans, qui finalement fait que le boulot d'entrepreneur est quand même très très intéressant, parce que quand vous vous levez, c'est pas, vous faites potentiellement dans la journée 20% de ce que vous aviez prévu de faire sur l'ensemble de la journée, y compris sur ces phases-là d'accompagnement. Encore une fois, l'imprévisible de l'existence. David Sussman, Joseph Arakel, vous qui avez une longue expérience du développement des entreprises, vous qui êtes des représentants également de ces ETI, qui pendant longtemps ont eu plus de mal à grandir en France que dans les pays voisins, notamment l'Allemagne. Vous l'avez vu évoluer positivement, ce paysage autour de vous, notamment pour ce qui concerne le financement de votre croissance, ou vous êtes des grands brûlés de l'histoire, David ? Je crois que je m'en suis plutôt bien tiré. Alors moi, j'ai démarré avec un prêt, et je ne l'ai jamais dit ça. C'est ma mère qui m'a prêté 50 000 dollars. Ah non, on se connaît depuis longtemps, mais je ne l'avais pas encore entendu celle-là. Oui. Il y avait un taux, c'était 8%, il fallait rembourser à partir de 3 ans après.
Donc voilà, certains ne mettent pas de pourcentage ou d'autres. Moi, j'ai tout remboursé, donc j'étais très, évidemment très fier. Vous êtes un bon garçon. Ensuite, ça a été vraiment l'aide, le soutien des partenaires et des fournisseurs. Il ne faut pas hésiter à discuter avec eux, un client, un fournisseur. Ils comprennent et vous allez chercher le chèque. On peut travailler en écosystème comme ça, ouais, ça marche. Ouais, moi, je crois que ça marche absolument très, très bien. Et moi, je n'hésite pas d'ailleurs, quand j'ai des partenaires, même les plus jeunes qui viennent me voir en disant « il faut payer plus vite », bah oui, il faut payer plus vite, pourquoi pas. Ou voilà, il y a toujours un arrangement et je crois qu'il faut oser dans ces cas-là. Le mot oser, on ne l'a pas dit, mais vous devez tout oser. Tu as parlé de l'impossible un peu plus tôt. Moi, je vous dis, tout est possible. Rien n'est impossible. Vous voulez voir Elon Musk, vous pouvez le rencontrer dans une semaine. J'en ai fait une maxime à force de côtoyer des entrepreneurs d'un côté et des commerciaux de l'autre. Une maxime, c'est au pire, c'est non, quoi. Au pire, c'est non. Et l'échec, enfin, moi, je n'aime pas ce terme échec. C'est plutôt vivre des expériences. Elles sont de toute façon enrichissantes, extraordinaires. Ensuite, le rôle des banques, qui sont très décriées. Moi, personnellement, il y a peut-être des banquiers dans la salle. Elles m'ont plutôt soutenu quasiment depuis mon parcours. Lorsque j'ai un peu moins fonctionné en 2009, certains ont été un peu moins présentes. Mais globalement, elles sont fidèles, elles sont là. Il faut qu'elles vous fassent confiance. Et la confiance, ça se mérite. Les banques, aujourd'hui, vous savez que les taux sont très, très faibles. Donc, ça se mérite. Le business plan doit être excellent. Votre track record doit être outstanding. Mais en général, ça peut vraiment fonctionner. Et il faut que vous alliez leur parler à vos banquiers. Ouais, les banquiers, c'est quand même... ils sont décriés, mais ça fonctionne. Mais soyez rigoureux. Mettez-vous à leur place. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les convaincre? Voilà, mettez-vous à leur place et vous verrez, ça tourne un peu mieux. Ensuite, le rôle de la BPI, elle est fabuleuse, la BPI en France, on a de la chance. Ce n'est pas le cas dans tous les pays dans le monde entier, moi qui ai des filiales dans le monde entier. Donc, utilisez la BPI, moi je l'ai beaucoup utilisée, ça m'a permis d'évoluer. Puis, un tout petit fonds, moi, que j'ai eu à l'époque des fonds IAC, puis aujourd'hui, je suis très largement majoritaire, mais j'ai l'intention que ça change parce que j'ai l'impression aujourd'hui de démarrer de zéro, donc j'ai plein de projets pour les 20 ans qui viennent. Mais surtout, soyez sérieux et rigoureux. Ensuite, je voulais juste rajouter un point. Pour moi, les entreprises très aujourd'hui, vite, David, hein, parce que en un mot, soyez global, parce que vous allez pouvoir fonctionner 24/7, utiliser le digital. Moi, je passe une très merveilleuse après-midi, mais à l'époque, je n'aurais jamais passé une après-midi comme ici. Hein. Je ne serais pas là. J'espère que vous allez partir, monter votre boîte, bosser jusqu'à minuit. Parce que je suis sûr qu'ici, on a tous bossé 16 heures par jour pendant au moins les 10 premières années. Ça, on ne l'a pas assez souligné. J'en connais quelques-uns ici, c'est des bourreaux de travail. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vous épuiser et vraiment à vivre des moments terribles, surtout, ne devenez pas entrepreneur. Joseph Farakel, votre expérience. Oui, alors tout d'abord, je voudrais dire que c'est aussi grâce à ma famille, parce que... on est beaucoup pris et si on n'a pas une famille équilibrée qui vous accompagne et qui vous soutient, bon, ça risque d'être un problème. Ensuite, c'est une relation avec des gens qui vous font confiance et la vie n'est qu'une histoire de rencontre. Quand on a une entreprise qui naît, il faut que quelqu'un mise sur vous. Et donc, on a eu la chance d'avoir, par rapport à des majors avec qui on était en concurrence, cette faculté que des individus, des personnes fassent confiance. Ensuite, bon, je n'ai pas la même approche au niveau des banquiers, parce que les banquiers... Dans la logistique, c'est parfois un peu plus rude. Hein, en plus. Voilà, donc ils sont très, très, très disponibles quand vous avez des résultats, et on a la chance d'avoir des résultats. Mais j'ai connu aussi des périodes difficiles, et là, je n'ai pas du tout été accompagné, quoi. Donc voilà, on est là pour parler de la vraie vie, donc merci de nous la faire partager, Joseph. Laurence, dans ce cas plus particulier d'une reprise d'entreprise, mais avec de vraies ambitions, là aussi, l'écosystème ne vous a pas fait défaut à ce stade, en 5 ans ? Justement, moi j'ai envie de prendre la question à contre-pied. comment est-ce que vous avez trouvé de l'aide ? Moi, c'est vrai que je pense toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Et en fait, on parle beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises qui mentorent des start-up. Moi, j'ai envie de dire, on est allé faire appel à des start-up, nous, à des entreprises de l'écosystème, pour nous mentorer. Et donc, pour nous aider, on n'a pas de labo de recherche-développement, on n'a pas de cellulaire R&D, on travaille quand même beaucoup en mode start-up et mode garage. Et les start-up, justement, elles nous aident. Exemple très concret, on était les premiers en France à lancer ce qu'on appelle le concept du ship from store, c'est-à-dire le fait de pour chacun de nos magasins peut aller livrer une commande qui est passée par Internet, par un client. Donc ça, c'est très, très nouveau, au lieu que ce soit l'entrepôt logistique central. Et c'est grâce à des start-up qu'on arrive à faire des choses comme ça. Donc c'est l'écosystème qui nous aide. De la même façon, j'ai décidé de m'engager, je suis élue à la CCI, la Chambre de commerce
Johnson Industries. Et c'est un réseau qui est très important. Et dans le conseil que je pourrais donner à tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui sont là, c'est utiliser votre réseau à fond et engagez-vous. On a parlé d'engagement pour la planète, donc c'est sûr que nous aussi, on a pris le virage. On n'a pas nettoyé le port, mais on a nettoyé les plages. Mais bon, c'est pareil, et c'était aussi le week-end dernier. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'actions de solidarité et d'insertion. On fait beaucoup d'upcycling, on fait travailler des ateliers d'insertion, et ils nous redonnent et ils nous aident énormément. En fait, ces jeunes qui sont en difficulté, et qui ont tant la main, nous apportent énormément d'énergie, et en interne, c'est une source d'aide importante. Philippe, on termine cette séquence financement avec vous, parce que aussi l'actualité récente, enfin ça a quelques mois maintenant, a fait de Biotech un joli cas d'école quand même en la matière. Je parlais de la difficulté parfois ou pendant longtemps qu'on a pu avoir à développer des ETI. C'était en mai dernier, vous avez annoncé une levée de fonds de 100 millions d'euros et l'entrée de Sofina Group à votre capital, ce qui est un pas important. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que ça a été la croix et la bannière par rapport à ce que pourraient vivre vos homologues allemands? Non, enfin, moi je crois que tout a été dit, hein, donc même si certains avis divergent sur les banquiers, en tous les cas ça c'est effectivement l'avis de l'entrepreneur qui peut le dire. Moi j'ai quand même un mot à dire, c'est ce qui coûte toujours le plus cher, c'est le capital. Donc nous on vient de faire effectivement une grosse levée de fonds. Mais faire une levée de fonds quand on vient de fêter ses 30 ans d'existence, c'est complètement différent de faire une levée de fonds quand vous créez votre entreprise. Voilà, donc pensez à tout, pensez effectivement à vous faire aider, pensez aux crédits fournisseurs, pensez aux banquiers, pensez aux clients qui peuvent payer plus vite, pensez à vos parents, pensez à vos amis avant de penser à ouvrir tout de suite votre capital et à penser levée de fonds avant de penser projet et avant de penser surtout chiffre d'affaires, revenus et activité. Nous, on l'a fait pour voilà, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais un projet, c'était faire de Biotech un leader national, enfin devenir un leader international en ayant été d'abord un leader national. Donc pour ça, effectivement, il faut beaucoup de moyens, donc c'est pour ça qu'on a fait cette levée de fonds. Autrement, sincèrement, je ne l'aurais pas faite. Alors, on arrive maintenant vraiment au terme de ce débat. J'espère que vous avez trouvé de quoi nourrir votre propre ambition. On a quand même parlé de beaucoup de choses. Hein. On voit que les parcours non linéaires ne sont pas un problème. Au contraire, on voit que le fait de devoir changer de cap, ça n'est pas un problème. Au contraire, on voit qu'il n'est pas impossible de trouver dans l'écosystème des gens pour vous accompagner. On a bien mis l'accent sur l'importance du collectif. Hein. Je n'ai pas peut-être souligné ça, mais il y a beaucoup de cofondateurs. Et vous avez vu que là, on a une brochette de dirigeants d'entreprise qui ont plutôt tendance à dire « nous » que « je ». C'est tout un symbole, c'est un sport d'équipe. J'aimerais terminer une toute dernière question et une réponse rapide, qui est peut-être sur un mode un peu plus personnel. Voilà, David, vous disiez qu'il faut être prêt à bosser 16 heures, mais il faut quand même réussir à se ressourcer. Qu'est-ce qui vous ressource? Qu'est-ce qui vous nourrit? Ça peut être l'engagement vous-même dans des réseaux entrepreneuriaux, ça peut être des activités associatives que vous pouvez avoir à côté. Dans le cas d'un certain nombre de dirigeants d'entreprise, un dirigeant d'ETI comme Raphaël Gorgé, lui, non seulement il dirige son ETI, mais il fait des triathlons. J'en connais qui vont tourner avec des Porsche sur des circuits le week-end. D'autres qui mènent un travaux, qui préparent une thèse parce qu'ils incarnent ce proverbe chinois selon lequel on commence à vieillir quand on cesse d'apprendre. Comment vous vous ressourcez? Comment vous vous réoxygénez régulièrement? Parce que c'est quelque chose d'important. Eric? C'est une question essentielle. Alors, il y a la question des proches et des partenaires. Là, on a parlé de tous les partenaires, salariés, tout ça. Et il y a les partenaires privés, la famille, les enfants, tout Joseph, ça, qui sont en réalité des partenaires. Comment on se ressource chez nous? On impose quasiment à nos salariés aujourd'hui de passer du temps avec leurs proches et de passer du temps à faire autre chose. Certains sont sportifs, on a une équipe de kitesurfers au sein de l'entreprise. C'est brutal. Certains qui chantent, d'autres qui font du yoga ensemble. Et tous les 6 mois, on organise une demi-journée de break où on va faire quelque chose, on va découvrir quelque chose dans la nature en général. Donc il y a toujours une notion d'impact également associée à l'environnement. Donc voilà, c'est essentiel de se déconnecter, de se dire ok, l'entreprise c'est quelque chose, mais il faut qu'on arrive à fabriquer ensemble. Autre chose. Ne pas oublier que la vie est ailleurs, comme disait un romancier célèbre, Luna.
à part la cuisine. Alors, j'ai peut-être un discours, enfin, c'est hyper important et tu as tout à fait raison, mais moi, à part la famille et mes amis, j'ai pas d'autres loisirs. Oui, mais parlez-nous de la réalité de votre vie. Oui, j'ai pas d'autres loisirs et j'en veux pas d'autres parce que mes week-ends ou mes soirées, je suis vraiment une passionnée d'entrepreneuriat et résoudre des challenges, ça m'épanouit complètement. Et ça peut paraître hyper bizarre, mais on est dans les premières années de l'entrepreneuriat et c'est vrai qu'il faut travailler. Et on a choisi de faire ce choix de se consacrer à 100%. Et je pense que c'est hyper important dans les premières années de la start-up de s'y consacrer à 100%. Et quand on fait quelque chose qui nous tient tellement à cœur, on se dit que non seulement on n'a pas le droit à l'échec, mais en plus, je ne considère pas du tout ça comme un travail. Aujourd'hui, Meet My Emma, c'est une mission qu'on s'est donnée sur Terre. C'est des valeurs. Et on est hyper engagé et quand on fait quelque chose d'aussi engageant, ça devient au final toute notre vie. Et c'est le message que je voudrais faire passer. C'est quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, selon moi, il faudrait vraiment le faire avec ses tripes et faire quelque chose qui a du cœur pour nous et faire quelque chose, se donner comme mission un but à résoudre. Et à partir de là, ça devient plus forcément du travail. C'est plus qu'une entreprise, vous avez employé le terme, c'est une mission. Donc je pense que tout est dit rien qu'avec ce choix sémantique. Vincent, Alain. Oui, moi je fais aussi partie de ces, comme ma voisine, de ces dirigeants obsédés par leur domaine. J'ai pu me distraire en lisant des publications scientifiques. Alors, plus récemment, j'ai appris à tailler les oliviers. Et j'avoue que c'est beaucoup plus récréatif que lire des publications scientifiques. Et je pense que je vais continuer. Alain. Nous sur les aspects environnement et planète, on est à bloc, puisque c'est l'activité principale de la société. Donc, on vit 24-24, on est très frustré parce qu'on aimerait que ça aille plus vite, mais l'idée, c'est effectivement d'aller proposer quelque chose de mieux à nos enfants, et c'est ce qui m'habite 24-24, en considérant qu'effectivement, ça pourrait aller plus vite, parce que gagner quelques grammes de CO2, ça, c'est un point important. Après, j'ai suivi le conseil d'un de nos investisseurs, Business Angel, qui a gagné beaucoup, beaucoup d'argent dans l'Internet Caramel, qui m'avait dit la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est que j'ai financé un groupe de rock qui est passé sur la scène du Zénith, et c'est là où j'ai vraiment kiffé, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et donc, il m'a dit, ça va être long, ton entreprise, donc prends du temps, n'allume pas ton ordinateur le week-end et puis surtout profite de ta famille et de faire autre chose, ce que je fais effectivement, et également l'accompagnement auprès d'autres entrepreneurs. Passer le flambeau et contribuer à cette communauté entrepreneuriale. Voilà, on a une petite expérience, je pense que dans le réseau local, c'est important de la faire passer. Et puis finalement, cet aspect bénévolat, que ça peut être dans le réseau Entreprendre ou ailleurs, c'est des choses qui sont importantes parce que c'est d'autres valeurs. Finalement, encore une fois, il y a le partage, l'accompagnement, mais finalement, ça participe d'une mission, que ce soit auprès d'autres personnes, entrepreneurs ou de votre famille, à qui vous devez bien ça par rapport au temps que vous allez passer au travail, effectivement. David, vous êtes déjà beaucoup exprimé, mais peut-être un mot de plus sur votre équilibre. Je vais essayer de faire court, c'est dur. Oui, merci. Alors, la première chose, c'est trouver son why, c'est trouver le pourquoi on fait les choses, non pas comment, mais vraiment pourquoi vous faites les choses, donner du sens à travers vos valeurs, le co-construire avec vos équipes et en faire partie. Une fois que c'est des décisions de groupe, c'est beaucoup plus facile. Et puis, évidemment, avoir un cap à 10 ans, fixez-vous un objectif très, très long terme. Il y a un moyen aussi de réussir, c'est de dormir moins, de pratiquer le yoga, de faire des siestes courtes, 20 minutes. Pensez aux navigateurs qui font le tour du monde. Ils font juste des siestes de 20 minutes. Et regardez à quel point ils sont en pleine forme à l'arrivée, probablement plus en forme que certains d'entre vous aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne méthode à appliquer. Ensuite, chez nous, on fait aussi beaucoup de sport dans l'entreprise. On a donc des human happiness, tout le monde le fait, mais on a du sport, yoga, etc. Je pense que c'est très important. Et puis sinon, moi, je me ressource évidemment en famille. J'ai 4 enfants, une épouse extraordinaire, et puis la voile, la plongée, etc. Les sports, c'est important. Mais si on commence vos passions, on ne va pas s'en sortir, David. Mais surtout, lisez et apprenez. Vous avez quelque chose qu'on n'avait pas, nous, à l'époque. C'est les vidéos, c'est YouTube, c'est Internet. On n'avait pas ça il y a 30 ans. Vous pouvez, en fait, vivre l'expérience que vous vivez aujourd'hui. Ce soir, vous pouvez regarder des centaines, des milliers de vidéos. Et ça, c'est fabuleux parce que prenez des notes. Moi, personnellement, je l'applique beaucoup. Je regarde, j'écoute tout le temps les grands dirigeants, je m'inspire, je copie et je pense que c'est quelque chose d'inspirant. Mais sinon, prenez du temps pour vous-même, le yoga. Prenez du temps avec vous-même, n'oubliez pas ça. Laurence, Philippe, et je terminerai avec José Barakel parce que je sais qu'il, je voudrais qu'il parle de nos engagements au service de la cité. Voilà.
Laurence et Philippe, pour commencer. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, qui est hyper connecté, on est sollicité de toutes parts hein, par les vidéos, etc., dont tu parles. Moi, j'ai beaucoup de mal, en tant que dirigeante, d'arrêter d'être connectée. Donc, jour et nuit, je dors avec mes téléphones, ils ne me quittent jamais. Et donc, c'est difficile. Et j'ai expérimenté, alors évidemment je suis aussi une mère de famille, j'ai un mari, des parents à m'occuper, donc ça aussi ça me ressource, mais j'ai expérimenté il y a l'année dernière un voyage, pour la première fois de ma vie je suis partie au pôle Nord, et là pas de réseau. Et après un moment de panique vraiment réel, parce que je n'avais pas réalisé que je n'allais pas avoir de réseau, j'ai vécu une semaine, 10 jours, sans aucune nouvelle, ni de l'entreprise, ni de mes actionnaires, ni de mes enfants, ni de rien. Et du coup, c'était tellement bien de passer cette période de stress que je me suis ressourcée, j'ai repris le temps, je me suis reconnectée avec moi-même, je me suis réenracinée. Et cette expérience, du coup, j'ai décidé de la revivre au moins une fois dans chaque année. Et là, je repars en Amazonie quelques jours. Il n'y a pas de réseau non plus, voilà. Mais ça peut être encore un peu plus inconfortable. Faites attention mais à vous. Mais je pense que c'est un drôle d'endroit, l'Amazonie. Chacun doit trouver comment faire. Philippe ? Moi, je ne suis pas très original, donc le sport, la famille et ma ville, puisque je suis aussi élu dans ma ville et je suis aussi président du club de foot de la ville. Donc voilà, j'essaie de continuer à œuvrer pour ma ville. Voilà, c'est très important pour moi. Et je voulais ma ville, c'est Salon de Provence. Et je voulais terminer avec vous, Joseph Arakel, parce que voilà, on en a discuté là encore en antenne, au-delà de l'importance de votre famille que vous évoquiez tout à l'heure. Vous avez des engagements, c'est-à-dire que vous faites... Vous vous investissez dans plus que votre entreprise. Racontez-moi en deux mots. Alors, déjà, pour me ressourcer, après des moments intenses, j'aime bien pratiquer la méditation et prendre du recul. Vous aussi, hein. Et ensuite, effectivement, tout à l'heure, Laurence l'a dit, ce qui est très important, c'est de travailler en équipe et qu'il y ait de la bonne humeur et qu'on aille tous dans le même sens et de travailler de manière collégiale. Ça, c'est pour l'interne, c'est pour la vie de l'entreprise, c'est capital. L'entreprise a un rôle social et ne doit pas ignorer les collaborateurs. Et on doit être contributeur de leur épanouissement. C'est vraiment un rôle déterminant dans l'entreprise. La vocation est économique. L'entreprise ne peut pas vivre sans résultat, mais elle a un rôle social. Et on s'est engagé donc sur plusieurs plans. En accord avec les collaborateurs, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Plus Avenir, qui vient en aide à des gens qui sont en risque d'exclusion, deuil, grave maladie, perte d'emploi, divorce. On les accompagne dans le recours de leurs droits et on va jusqu'à prêter de l'argent sans intérêt, gratuitement, pour éviter que ces personnes sombrent dans des difficultés d'exclusion. Ensuite, on a relancé les patronages en France. Le patronage était un organisme adossé au diocèse qui permettait aux enfants, pendant les heures de détente, d'avoir une occupation. Là, on leur apporte du soutien scolaire tous les jours, de 15h30 à 19h30, afin là aussi de leur éviter l'exclusion. C'est un moyen aussi de leur apprendre à s'exprimer, parce que si on sait s'exprimer, c'est déjà un combat qu'on a gagné dans la vie. Et on a un projet avec, je ne sais pas si vous connaissez, le père de Vert, Habitat et Humanisme. Donc on crée Plus Avenir Habitat pour loger les travailleurs pauvres qui dorment dans les voitures. Je trouve scandaleux qu'on ait un boulot et qu'on dorme dans une voiture, on ne peut pas se lever et avec des enfants. Donc là, je pense qu'il faut que chacun soit sensibilisé pour dire on peut faire quelque chose. Et j'ai une passion pour Saint-François d'Assise. Donc on a une exposition qui est itinérante. Alors ce n'est pas particulièrement à la figure du saint, mais surtout à la figure de l'homme du XIIIe siècle qui portait des valeurs sur l'entraide, l'écologie, le respect de l'autre. Voilà. Et donc on anime cette exposition par un itinéraire précis. Comme quoi on peut diriger une entreprise et avoir plusieurs vies et être au service de sa communauté. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos témoignages. Merci de votre attention. Je vous souhaite bon vent dans toutes vos entreprises. N'oubliez pas de garder quelques rendez-vous avec vous-même, mais amusez-vous, éclatez-vous et surprenez-nous. À bientôt. Bonne soirée, bonne fin de journée. Ah, chers amis, nous, un petit rituel, une petite photo de famille.
Merci à vous. Merci Philippe, à bientôt.